Bonsoir à tous. Les tourbillons judiciaires et l'enfer carcéral n'ont plus de secret pour cet homme politique. Après 8 ans passés en prison entre 2008 et 2015, cet ancien maire RDPC revendique près de 6 100 000 000 de francs CFA à titre de réparation pour cette détention arbitraire. Ensuite, il prend la tête du mouvement patriotique pour un Cameroun de nouveau et devient le chef d'orchestre de la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto, candidat MRC en 2018. Cette alliance consolide sur les braises ardentes de la contestation, post-électorale et les manifestations réprimées en janvier 2019. Une fois de plus, le président du MPCN se retrouve en prison après l'arrêt des poursuites judiciaires. Sa libération fait souffler un vent d'alternance démocratique dans son bastion électoral d'antan. Mais rien n'est gagné d'avance. Le contexte sociopolitique a changé. La situation s'est même dégradée du fait de la crise anglophone, des défis sécuritaires et une crise économique sans précédent. Comment expliquer que le Cameroun soit à la croisée des chemins malgré son capital humain et son potentiel économique? Quelles sont les responsabilités des leaders politiques et des dirigeants du Cameroun? Comment sauver le pays du chaos? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Paul Rekingé, qui est l'invité de l'émission La Vérité en Face. Paul Rekingé, bonsoir. Bonsoir Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous m'honorez, plutôt. Si, pour mener cet entretien, ce soir, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, bonsoir. Good evening Cédric, thanks dear viewers for joining us. Good evening Mr. President. Good evening sir. Également sur ce plateau avec Duval Fongwa. Bonsoir Duval. Bonsoir Cédric. Bonsoir l'invité, Paul Rekingé. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Paul Rekingé, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous partagiez avec nous les circonstances de votre arrestation en fin janvier 2019. Que s'est-il passé? Bon, disons que... Permettez-moi déjà de vous remercier de me donner l'opportunité de partager... les circonstances de mon arrestation avec le peuple camerounais qui certainement est en train de nous suivre là ce soir. En réalité, il faut le dire aux Camerounais, j'étais pas à la marche. Je préfère commencer ainsi. J'étais pas à la marche du 26 parce que j'étais chez moi. Je sortais d'ailleurs de Douala la veille. J'étais fatigué. Mais j'ai reçu la visite de quelques amis très tôt le matin, aux environs de 7h30 chez moi. Et je leur ai proposé d'aller partager le petit déjeuner avec moi hors de ma maison. C'était un samedi. Ça arrive le plus souvent. Et je me suis dirigé vers un restaurant de la place, pour ne pas le citer, n'est-ce pas, Chop Yamo, c'était un restaurant qui est dans les enclabures de Tchinga. Et qui fait essentiellement dans des beignets haricots. Dans des beignets haricots. Moi, je suis né à Ndiombe Pendja. Je reste un peu villageois dans les bords, Il m'arrive de me rappeler, des choses qui nous ont fait grandir, qui m'ont fait grandir. Je suis allé manger les beignets avec ses amis. Et voilà, on a fini de manger les beignets, à vrai dire. On n'a tenu aucune réunion sur les affaires politiques. Et d'ailleurs, là-bas, nous avons trouvé un responsable du MRC, Monsieur Angelbert Lebon d'Achois, que nous avons trouvé. On a partagé le petit déjeuner ensemble. Et nous avons fini, on a cheminé ensemble. Alors, quand on chemine, au niveau de Dove Bastos, je voulais m'arrêter pour faire les emplettes, comme tous les samedis, à Dove Bastos. À peine j'ai garé et que ma voiture a été encerclée par la police. Deux pick-up de police, avec à peu près une quinzaine d'éléments dans les deux pick-up, qui sont descendus. Ces gars ne m'ont pas laissé l'occasion de me présenter, ils m'ont même pas dit pourquoi ils étaient là. Je n'avais pas encore arrêté le contact de mon véhicule, que le commissaire, qui avait 5 étoiles, bien évidemment, m'a cogné à ma vitrine pour me dire qu'il veut me parler. Et quand je lève la tête, parce que j'avais pas, comme je l'ai dit, j'avais pas arrêté le contact du véhicule, du moteur, il me demande de descendre la vitre de mon véhicule. Je baisse la vitre du véhicule et il me dit voilà, nous sommes à votre recherche.
suivez-nous. Le DGSN nous a envoyé vous prendre. J'ai dit, moi, le DGSN, je ne suis pas un employé de la police. Je n'ai pas rendez-vous avec votre DGSN. Pourquoi il vous envoie me chercher? Il me dit, maintenant, vraiment, ne nous posez pas de questions, suivez-nous. Il est quelle heure à peu près pour le Hickinger? Il est à peu près 9h30. Okay. Il est 9h30. Je suppose que les marches qui étaient programmées, étaient projetées, étaient aux environs de 10h, étaient projetées aux environs de 10h. Mais il est 9h30 là. Donc on ne peut pas dire que, on peut même me soupçonner d'avoir posé un acte, puisque les marches projetées n'ont même pas encore eu lieu. C'est comme ça qu'on me prend, on m'encagoule là sur place. Vous voyez, vous prenez quelqu'un sur le volant de son véhicule, et puis vous lui jetez une histoire sur la tête, il ne sait plus où il est, moi je ne savais plus où j'étais, jusqu'au moment où on me retire cette histoire-là sur la tête, et à la police judiciaire, comment on appelle ça, la PJ régionale de Yaoundé. J'arrive dans la PJ régionale, mais je découvre que je suis plutôt dans un bureau de police. Comment vous le vivez, cette arrestation, le fait qu'on vous pose ces cagoules sur la tête et qu'on vous transporte? Bon, disons que, permettez-moi de vous dire que, moi, les arrestations de ces gens-là commencent déjà à m'amuser. Donc, en général, je ne perds pas mon sang-froid devant ces choses, parce que pour moi, j'ai tout vu avec le régime de M. Biya. Est-ce que vous voulez dire que vous y attendiez un tout petit peu? Non, je ne m'y attendais pas. Je ne pouvais même pas m'y attendre. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez vous attendre à quelque chose que si vous avez posé un acte. Or, il se trouve que j'avais posé aucun acte. Et ma conscience n'était pas en rebondissement. Dans mon esprit, je suis parti de ma maison pour aller prendre le petit déjeuner. Est-ce qu'il y a un mandat d'amener un document qui, à partir duquel on vous interpelle? Non, je vous dis que... parce que quand on parle d'interpellation, lorsque vous parlez d'interpellation, vous êtes en train de faire des fleurs à M. Bagangele. J'ai été kidnappé. Moi, j'ai été kidnappé. Parce que la loi impose que lorsque vous venez interpeller un individu, fût-il ministre, vous devez lui dire les raisons pour lesquelles vous êtes là. Vous devez lui dire que vous êtes venu l'interpeller et vous devez lui dire de se présenter. Rien de tout ça n'a été fait. Alors du coup, ça s'assimile à peu près à ce que les gardes de Boko Haram font. C'est-à-dire qu'ils apparaissent, ils sortent de la brousse, là ils entrent chez Amadou Ali, ils portent les gens, ils repartent en brousse. C'est à peu près ça. La police camerounaise s'est comportée exactement à ce moment précis comme les membres de Boko Haram. À quel moment avez-vous appris qu'il y a eu, par exemple, des marches qui ont été dispersées, par exemple, à Douala? Je ne suis pas au courant, puisque au moment où il y a marche à Douala, moi, je suis déjà au frais. Parce que lorsqu'on m'amène dans ce, comment vous appelez ça, à la police régionale, on a juste le temps de me poser quelques questions. Quand on a fini de me poser les questions, ce commissaire principal, que je connais par ailleurs, vous savez, avec la police, hein, c'est pas des gens très sérieux la plupart du temps, parce que vous pouvez être l'ami d'un policier, immédiatement, il vous lâche en route. Hein. C'est comme des sans-confiance, les policiers, là. Donc, ce jour-là, le gars me dit, écoute, Paul Eric, il n'y a pas de problème, accompagne-moi, je suis en train d'aller chez le SG de la police, il veut également te rencontrer. Donc, moi, j'y vais tout naturellement, parce que, bon, je me dis, ok. Mais après, comment entendu? So you were arrested before the protest move? Yes. While at the judicial police in Yaoundé, were you told why you were arrested? When I came there, I told them, I asked them why I have been arrested. I haven't received any reply from them. That is why I was too surprised. But after interrogation. Yeah, interrogation, they told me, please come and come with us. We want you to go and greet our SG, police SG. I thought there's no problem. I can go to his home and greet him and leave. Alors là, je savais pas que j'étais en train d'aller définitivement pour ne plus revenir. Donc quand j'arrive, le gars arrive au GSO. Il me laisse d'abord dehors. Il entre voir le commandant du GSO. Mais quand je vois, je me rends compte que je suis dans une structure où il y a beaucoup de policiers. Alors je comprends que je ne suis pas au bout de mes peines. Immédiatement, un monsieur arrive, c'est le directeur, le, le, le,
le commandant du GSO. Bonjour, bonjour. Voilà. Et le monsieur dit, bon, Paul Éric, je te laisse à sa disposition, moi je m'en vais. Je voudrais rappeler que dans mon véhicule, j'étais avec deux personnes. Deux personnes. Les deux ont été amenés avec moi à la PJ, mais pas cagoulés. Quand on arrive à la PJ, on ne les interroge pas. Cela veut dire en clair que s'il m'avait été reproché d'avoir fait des réunions, une réunion à Tchobiamo, j'aurais été à cette réunion avec ces deux personnes. Puisque nous étions quatre, c'est-à-dire les deux personnes avec lesquelles je suis sorti, plus Angelbert Lebon Dachua, à la fin nous étions quatre. Mais seulement si vous m'accusez d'avoir fait une réunion à Tchobiamo, alors ceci veut dire que je n'ai pu faire la réunion qu'avec ces deux gens, puisque nous n'étions que quatre. En tout cas, au plus, avec Angelbert Lebon Dachua, ce qui n'a pas été le cas. Puisque quand est-ce qu'on vous parle de réunion? Est-ce qu'on vous parle de réunion? Oui, je vais vous dire, à la fin, dans mon acte d'accusation, okay, il y a réunion. Okay. Et il y a attroupement. Vous savez, notre pays a beaucoup de problèmes en réalité. Le premier problème, c'est que j'ai l'impression que les gens qui dirigent ce pays ont dû ne pas aller suffisamment à l'école. Ou alors, s'ils sont allés à l'école, c'est des Chinois qui ont composé à leur place, ou alors des Juifs. Parce que je ne peux pas comprendre que ces gens-là vous prennent, ils vous amènent dans un commissariat, ils ne se présentent pas. Il y a un code de procédure pénale pour lequel les pays amis ont apporté leur contribution à son élaboration. Il y a tout cet arsenal de lois que le Cameroun a ratifié. Il y a un certain nombre de dispositifs, des mécanismes internationaux. Or, le commandant du GSO me dit, Paul Éric Kingé, vous êtes à compter de maintenant en garde à vue. Je dis, mais ce n'est pas à vous de me dire que je suis en garde à vue. Je sors là d'une police judiciaire où on ne veut me dire que je suis en garde à vue. Parce que je suppose que vous n'êtes qu'un magasin, en réalité. Puisque vous n'avez pas mission de faire enquête. Le GSO est une unité spéciale de lutte contre le grand banditisme. Donc vous ne pouvez pas me placer en garde à vue. C'est la police judiciaire qui doit me placer en garde à vue. Alors, mais ce qui est terrible, et il faut que les Camerounais le sachent, à ce moment précis, il n'y a ni mandat d'amener, ni un mandat délivré par le procureur de la République pour dire que vous êtes en garde à vue, une garde à vue normale, ni même une garde à vue administrative. Sur quelle base donc on décide de vous déclarer que vous êtes placé en garde à vue? Ce gars me dit je suis en garde à vue sans aucun papier, sans mandat, sans rien. J'ai mis 15 jours au GSO. J'avais pas de garde à vue, j'avais pas de garde à vue, ni administrative, ni judiciaire, ni mandat d'amener, ni rien. J'ai mis 15 jours au GSO. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est à partir du cinquième jour. C'est à partir du cinquième jour que je commence à tempêter, parce que moi j'ai de l'énergie. Et je voudrais que ce régime note que j'ai de l'énergie. S'ils ne comprennent pas encore que j'ai de l'énergie, c'est une erreur. J'ai de l'énergie. Je commence à tempêter pour dire, mais non, j'ai envie de savoir pourquoi je suis ici. Parce qu'il me faut au minimum un papier de une garde à vue, un bon de garde à vue. Il n'y avait pas de bon de garde à vue. Vous voyez des gens qui prennent un citoyen, et un citoyen respectable quand même. J'ai servi ce pays en tant qu'élu, en tant que maire. Vous venez me prendre chez moi, après m'avoir pris déjà 8 ans de ma vie, vous me prenez et vous me jetez dans une cellule, je ne peux pas communiquer. Les gars ne permettent même pas que je communique. Il me dit, ben écoute, bon, si tu veux en manger, on peut t'apporter du pain. Je dis non, moi je ne mange plus. Parce qu'en réalité, quel est le pain que vous m'apportez? Le pain empoisonné? Vous croyez que moi, pour les Rikings, je peux manger le pain qui vient de vous? That's what the legal minds will call incommunicado detention. During the 15 days, were your relatives and other persons given access to you? Non, quand même, quand j'ai tempêté, hein, au septième jour, on a donc permis que, la famille peut t'apporter quelque chose, puisque tu ne veux pas manger et tout. Au septième jour,
On a donc demandé que je fasse venir un membre de la famille. J'ai fait venir un membre de la famille. Je leur ai dit, écoutez, moi j'habite tel endroit, mon téléphone, vous pouvez le fouiller, chercher tel numéro et appeler un membre de la famille. C'est comme ça qu'on trouve un membre de la famille. On informe que je suis au GSO. Mais j'étais déjà au 7e jour. Alors, curieusement, au 15e, au 14e jour, débarque donc au GSO un groupe de policiers qui viennent me dire que non, ils sont venus me notifier la garde à vue administrative. Je dis bien au 14e jour. Le mandat de garde à vue administrative devrait précéder mon arrestation. Mais arrive au 14e jour. Mais, cher monsieur, quand on vous dit souvent que je fais condamner l'État, ce sont ces petits éléments très souvent qui suffisent pour que l'État soit condamné. Qu'est-ce qu'il est écrit sur ce document de garde à vue administrative? Ce bonhomme écrit sur le document, d'abord il met mon nom en deuxième lieu après celui de Valsero, Abe Abe, King et Paul Eric, et puis un deuxième document, Kamto, Zonga, et bref, à peu près 200 personnes. Et ils disent que nous faisons partie des gens qui ont marché. Je leur dis, mais monsieur, moi je n'ai pas marché. Quand ils me présentent le truc de garde à vue administrative du préfet, je dis, mais attendez, votre préfet là, la première des choses qui me marque dans ce document, dans cet acte du préfet, c'est que l'acte date du 25. 25 ? Du 25 janvier. Là, on m'arrête le 26. Ça veut dire que le préfet du Fundi a même déjà signé ma garde à vue le 25. Vous croyez qu'on est dans un État, dans un pays normal? Le préfet du Fundi, le 25 janvier, a déjà signé les gardes à vue. Mais sauf que ces gardes à vue n'arrivent là-bas que, ne viennent vers moi que le 14, donc 14 jours plus tard. C'est-à-dire le 12. Le 11, oui, le 11 au matin. Je suis perdu. Je demande, mais alors, s'ils disent que j'ai marché, alors que j'étais dans un restaurant, que ne dirait-il pas de pire que ça? J'ai commencé par vous dire ici que rien ne m'impressionne avec ce régime. Et en général, j'ai appris à garder du sang-froid, parce que quand vous avez fait 8 ans de prison comme moi, et dans des conditions particulièrement difficiles, c'est pas les petites gardes à vue de 15 jours qui peuvent m'ébranler. Je vais revenir. Mais il faut le dire, à un moment donné, j'ai ressenti, et ça il faut le dire, hein, vous savez, je vous ai dit, les Camerounais vont s'habituer, n'est-ce pas, de plus en plus, à rencontrer un homme politique qui sait dire la vérité, parce que moi je ne sers que la vérité. Au GSO, curieusement, le traitement était suffisamment humain, hein, ça il faut le dire. Le commandant du GSO a dit non, je pense que c'est pas la peine de les torturer. J'ai d'ailleurs été surpris hein, qu'ils disent non, donnez-leur un matelas là, donnez-lui un matelas là. Et on nous a donné 2 matelas. Et j'avoue, c'est l'occasion pour moi de dire merci à ces gars du GSO. Je parle pas de leurs délégués, hein. Je parle des gars du GSO. Mais maintenant, parlant du délégué général à la Sûreté nationale, il me reçoit le 21. Le 21, là, le 21 janvier. En février Non, le 21, on nous a arrêté le 26 janvier. Oui. Je parle bien du 21 janvier, avant mon arrestation. Tout à fait. Il me reçoit le 21 janvier, le délégué général à la Sûreté nationale. Et je souhaite qu'il soit en train de me suivre. Je suis dans son bureau. Monsieur Mbagangele me dit, mais Paul-Éric, va dire à Kamto que je ne veux plus qu'il parle de hold-up électoral. Je suis avec Pendaye Koka. Nous sommes 2. Le délégué général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Donc, au total, nous sommes 4 dans son bureau. Vraiment, on m'a dit que c'est toi qui radicalises Kamto. Fais tout pour que tu dises à Kamto que on ne veut plus entendre parler de hold-up électoral. La première question que j'ai posée à monsieur le délégué général, c'est que vous faites même quoi encore ici? L'âge que vous avez là permet que vous soyez encore en train de travailler ici. Vous faites quoi ici? Quand vous me dites, vous me posez, allez voir ça avec Kamto.
Vous ne pouvez pas me poser un problème qui relève de Kanto. Kanto était candidat à la présidentielle. J'étais son directeur de campagne. Vous n'avez pas à m'envoyer lui dire ce qu'il doit dire. Si ça vous gêne autant, je suppose que c'est un homme public. Je sais que vous êtes de la police. Vous pouvez avoir le numéro du professeur Kanto. Appelez-le et parlez-lui. Et au moment où je lui dis, Pena et Kokaya, assis. Il me dit, ben Paul-Éric, tu sais, il faut tout faire pour que je n'ai pas un jour à t'arrêter. Il lui dit, ben monsieur, vous ne pouvez même pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas m'arrêter parce que moi je connais la loi. Je suis juriste de formation. Je ne traverse jamais la barre rouge. C'est pour ça que je gagne toujours mes procès. Je laisse toujours des gens commettre des erreurs. Moi, je ne traverse jamais la barre rouge. Donc, je ne peux pas vous donner l'occasion de m'arrêter. Donc, en réalité, lorsqu'on me présente ce fameux acte de M. le préfet, ce qui vient donc sonner, alors, complètement me rendre ma boule, c'est que cet acte est accompagné d'une lettre du directeur de la police judiciaire. And what was the letter saying? Et la lettre donne instruction au préfet d'interpeller les sous-nommés. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je parle en langue facile. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que monsieur le directeur de la police judiciaire du Cameroun donne instruction à monsieur le préfet d'interpeller les gens. Mais monsieur, on est dans quel pays? Est-ce qu'un directeur de la police peut donner les instructions à un préfet? Le directeur de la police judiciaire, et je parle là, je prie Dieu que les gens qui me suivent l'appellent pour lui dire que King est en train de parler. La note est là, le document est là, dans le dossier de procédure. Le directeur de la police judiciaire donne instruction au préfet d'interpeller King et Paul-Éric, Abe, Kanto, Zonga, et Pena et Koka et les 200 autres. En quoi est-ce que c'est un problème que cette procédure soit menée de cette manière? D'abord, c'est un problème parce que il y a des canons pour interpeller les gens. Un directeur ne donne pas les instructions d'arrêter les gens. Vous posez un acte et on a besoin de vous, on signe un mandat. C'est comme ça que ça se passe. Et dans son magistère, le préfet ne peut pas recevoir les ordres d'un directeur de la police judiciaire. Parce qu'il est souverain dans son magistère. Vous comprenez? Un policier ne peut pas demander à un préfet. C'est le préfet qui demande au policier d'arrêter les gens. Parce que la police est un auxiliaire. Le bras séculier de l'État. Et le bras séculier de l'administration. Quand c'est la police qui donne déjà l'ordre à l'administration, ça pose forcément problème. Alors maintenant, pour revenir, il y a une question. Donc, il faut que les Camerounais sachent que cette procédure-ci était partie, si le chef de l'État n'avait pas arrêté la procédure, était partie pour devenir le premier tourbillon judiciaire que le Cameroun n'avait jamais connu ces 50 dernières années. Alors, parce que tout était faussé. Et si M. Biya me suit, s'il n'est pas en train de me suivre, si Chantal Biya me suit, qu'on dise à son mari qu'on est dans un pays où le policier donne l'ordre à un préfet d'arrêter les gens. Mais pour revenir à la question que je vous ai posée tout à l'heure, à quel moment apprenez-vous qu'il y a eu des marches à Douala, qu'à la suite de ces marches, il y a des gens qui ont été blessés? Non, moi je ne sais même pas qui a marché à Douala. À quel moment est-ce que vous apprenez? C'est seulement un matin, il y avait un commissaire intermédiaire, parce que entre le directeur, le commandant du GSO et les petits éléments, il y a un commissaire qui a 4 étoiles, lui. C'est le commissaire qui me dit, bah, vraiment, monsieur le maire, je pense qu'il faut que vous restiez dedans, hein, parce que après les toilettes, là, allez dedans, parce que quand tu viens d'arriver, Zonga vient d'arriver, dans ma tête, quand tu viens me rendre visite, puisque je ne suis pas au courant qu'on les a arrêtés. Il me dit, quand tu viens d'arriver, Zonga vient d'arriver, Pena est allé au CED, dans mon esprit, quand tu viens me donner à manger, il vient me rendre visite. Mais sauf que je constate que quand tu arrives, le cordon sécuritaire s'alourdit. Et du coup, je commence à
à avoir l'impression, à comprendre que quelque chose ne va pas. Jusqu'au moment où un policier vient me souffler, monsieur le maire, on a arrêté le professeur Kamto, on a arrêté monsieur Zonga, ils sont dans des cellules, on vient de les mettre dans des cellules à côté de vous et autres. J'ai dit, ah bon? Donc, en fait, c'est à ce moment que j'apprends qu'il y a eu marche à Douala et qu'on a arrêté le professeur. Alors, Célestin Diamène était assis ici, il y a une semaine exactement. Il a relaté les circonstances dans lesquelles il a été interpellé à Douala. Il nous a indiqué qu'il y a une marche qui a été dispersée au carrefour Basson, ici à Douala, autour de 8h05, 8h10. La marche a été dispersée et qu'une heure après, alors qu'il se retrouvait dans les jardins, sur les bancs publics autour du carrefour Petit Pays, non loin de Makepe, il a été immobilisé, avec, on lui a tiré des balles dans la jambe, et c'était autour de 9h, 9h30. Et vous savez qu'également, dans la journée, il y a eu des violences contre les ambassades. Je ne peux pas savoir. Enfin, je vais dire, plus tard, quand même vous apprenez. Je vais même vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez que au GSO, c'est au 15e jour que j'apprends qu'il y a eu des massacres à l'ambassade? Parce que quand on a laissé que ma famille me rende visite, on les tenait à distance. Hein. On ne permettait pas qu'on communique. Donc du coup, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais au courant de rien. Je ne savais même pas que les ambassades ont été attaquées. Donc c'est au 15e jour quand on nous dit déjà que bon, apprêtez-vous, vous allez sortir. Donc, dans ma tête, on est en train de me sortir. Puisqu'en réalité, je n'ai aucun mandat. J'avais déjà saisi le juge d'Abea Corpus pour dire qu'il faut que je sorte. Mais sauf que le juge d'Abea Corpus ne m'avait pas encore extrait de la cellule pour que je fasse prévaloir. Mais tout au moins, est-ce que vous faites un lien entre ces casses, ces saccages des ambassades et votre interpellation et peut-être l'interpellation de beaucoup d'autres alliés du MRC? À quelle heure a-t-on cassé les ambassades? Le jour où il y a eu des marches à Douala. À quelle heure? À quelle heure? Moi, on m'arrête avant tout ça. Qu'est-ce qui peut avoir amené qu'on m'arrête avant qu'on ait cassé quelque chose? Oui, mais il a été dit que cela a été planifié longtemps à l'avance. Non, mais quand on dit planifié, planifié quoi? Les casses? Mais si on vous arrête avant les casses, ça pose forcément problème. Moi, je dis que j'ai été arrêté avant les casses. So there's no link between your arrest. Il n'y a aucun lien entre mon arrestation parce qu'il n'y a casse nulle part au monde. Il n'y a même pas encore marche à Yaoundé. Now still talking about the reasons for. Je ne sais pas si vous comprenez. The reasons for your arrest. Mais après, quand je me renseigne, on me dit non. Les casses des ambassades ont eu lieu à 14h. Ce jour-là. Mais moi, on m'arrête, il est 9h30. Où est le lien? If there's no link, je veux comprendre le lien. Et if there's no link, did the judge or the director of the judicial police tell the senior divisional officer why he wanted you to be arrested? If there's no link between this, it means your arrest is hanging somewhere. No explanation. Until now, I don't know why I've been arrested. Until now. I cannot tell you why I've been arrested. Ceci d'autant plus que on ne peut pas m'arrêter administrativement. Parce que, un, pour arrêter administrativement, il faut qu'il y ait trouble à l'ordre public. Aller manger les beignets à Tchobiamon ne peut aucunement créer le trouble à l'ordre public. Pour arrêter administrativement, il faut qu'on m'accuse de réunions illégales et complicité et autres, manger les beignets ne peut pas donner l'occasion de poursuivre quelqu'un pour réunion. Ça veut dire en d'autres termes que je n'étais pas assujetti à déclarer au sous-préfet de Tinga que je veux manger les beignets à Tchobiamon. Parce que en fait, on aurait pu me dire, monsieur, vous savez que la loi vous interdit de manger les beignets à Tchobiamon. Mais vous avez enfreint cette loi. Je suis allé manger les beignets comme un citoyen camerounais. Il n'y a que dans le pays de monsieur Biya qu'on arrête quelqu'un parce qu'il mange les beignets. Mais après le GSO, Duval, après le GSO, où êtes-vous conduit et quelles sont vos conditions de détention? Après le GSO,
Je vous ai dit que pour une fois, si j'avais des points à partager, je les donnerais aux éléments du GSO. Pas forcément à leurs délégués, hein, aux éléments du GSO. Parce que j'ai vu des gens beaucoup mieux formés, des gars qui mettent un peu plus l'homme avant leur travail. Ça, si vous me demandez de le témoigner, je le ferai. Je le ferai. Au GSO, je n'ai pas été menacé, je n'ai pas été attaqué de quelque manière que ce soit. Au contraire, je crois que quand on m'a même enlevé du GSO, je partais de là avec un peu de pincement. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Maintenant, quand nous sortons, quand on dit qu'on sort, parce qu'on ne nous dit pas qu'on nous amène à la prison, on nous dit, monsieur le maire, apprêtez vos choses. Dans ma tête, je suis en train de rentrer chez moi. Je venais là donc de faire 15 jours de détention, genre, ça c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais sauf que, à un moment donné, un dispositif militaire entre dans OGSO. Un autre dispositif, cette fois-là, c'est des camions et des bus qui débarquent pour venir transporter des gens. On nous met donc dans quelques petits véhicules, hein, les pick-up de la GSO, du GSO, pardon, et on nous conduit, non pas à la poste centrale pour nous laisser chacun prendre son chemin, mais cette fois-là, au tribunal militaire. On dit que nous devons passer devant le juge d'instruction du tribunal militaire. Alors là, je commence à comprendre que l'affaire devient sérieuse. On arrive chez le juge d'instruction. Je peux vous dire que nous sommes partis du GSO. Il était pratiquement 13 heures. On a quitté le tribunal militaire à 5h30 du matin. Que faisiez-vous là-bas durant tout ce temps? Le juge d'instruction se faisait le devoir d'inculper chacun de nous. Mais alors, écoutez bien. Je sors de manger les beignets. Je vais faire des emplettes à Dof. Je me retrouve au GSO. Cette fois-ci, donc, ce n'est plus au GSO. Je me retrouve devant un juge d'instruction. Le juge d'instruction ne s'arrête pas à me dire que j'ai mangé les beignets, mais ça n'intéresse plus. Il dit que je suis hostilité contre la patrie, subversion, bref, des infractions susceptibles de me faire être condamné à mort. C'est-à-dire que je finis de manger les beignets dans un pays dirigé par M. Biya, mais du coup, je peux passer par le couloir de la mort. Lorsqu'on vous signifie... Il faut être au Cameroun, je ne suis pas sûr. Paul Ekenge, lorsqu'on vous signifie ces chefs d'inculpation, oui, en vous imaginant à la barre devant le tribunal militaire, qu'est-ce que vous vous dites à cet instant? Non, je m'étais préparé. Moi, je m'étais préparé. J'étais venu dire aux gens, si c'est mon nom qui pose problème, condamnez-moi. Mais si vous dites que j'ai causé du tort à l'État, ou j'ai posé un acte répréhensible par la loi, alors vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que j'étais pas, un, interdit d'aller manger les beignets. Deux, j'étais pas interdit de passer par Tinga. Trois, j'étais pas interdit de passer par Dove. Quatre, j'étais à 1000 lieues du théâtre des marches. Les marches étaient à la poste centrale. Mais vous étiez soupçonné d'être parmi les chefs d'orchestre de ces manifestations qui ont été vécues en fin janvier. Non, on ne peut pas soupçonner. La justice ne soupçonne pas. La justice a des preuves. C'est au Cameroun que la justice soupçonne. La justice ne soupçonne pas. Je vais vous dire un peu. Permettez-moi d'y revenir. Du 21 octobre au 26 janvier, je n'ai pas revu le professeur Maurice Kamto. Il faut que les Camerounais le sachent. Les élections sont passées. Nous nous sommes réunis à Oja. Nous n'avons pas été d'accord. J'ai dit, comme moi, en tant qu'allié, mon point de vue n'est pas passé, je me mets de côté. Et justement, c'est cette réunion... S'il vous plaît, oui, je vais y arriver parce que je sais que vous allez y arriver. Le 21 octobre, je vois le professeur Maurice Kamto pour la dernière fois. C'est-à-dire du 21 octobre au 26 janvier, on ne s'est plus vu et on ne s'est plus appelé. D'où vient-il que la police me soupçonne de faire partie des gens qui ont fait ci ou qui ont fait ça? Ça sort d'où ça? Je n'ai pas vu le professeur Kamto du 21 octobre
au 26 janvier. Comment est-ce que le préfet du Mfundi, M. Mbagangele, peuvent se mettre ensemble pour me soupçonner alors, revenons d'avoir été parmi les conspirateurs de quoi que ce soit? Mais si se fonde justement sur les informations issues de cette rencontre dont vous parlez, qui visiblement était la dernière, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On ne peut pas projeter une manifestation du 26 janvier en octobre 2018. Vraiment, ce n'est pas possible. Pour faire une manifestation, on n'a pas besoin de 4 mois. On n'a pas besoin de 4 mois. Maintenant, revenons sur cette réunion de Dja. Oui. Ça, je tiens à le dire au peuple camerounais. Moi, j'ai entendu les sardinats, des gens pro-Biya faire circuler des vidéos partout pour dire, voilà, Paul Eric King a dit qu'il y avait une réunion, on préparait la conspiration. Mais vraiment, ils ont simplement bien voulu prendre la petite partie où je dis qu'il y a réunion, qui les intéressait, mais personne n'a voulu aller au bout de cette vidéo. D'abord, dans cette vidéo, je dis que le professeur Kamto a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Ces propositions disaient que il devrait nous nommer un gouvernement et les ambassadeurs. C'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kamto se positionne comme un gars qui dit non, les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement! Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kamto nous avait suivi, alors il y aurait trouble. Mais il a dit, moi je ne veux pas de troubles. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de troubles, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. Alors maintenant, si on fait le lien... Je n'ai pas fini. D'accord. Je n'ai pas fini. Dès lors que je me mets de côté, je n'appelle plus le professeur Kamto. Donc on ne peut pas me mettre en contact. On ne peut pas dire qu'un acte qui a été posé... On ne peut dans aucun cas m'accuser d'avoir posé le moindre acte, puisque je me désolidarise du groupe. Quelque temps après, Penda et... Comment on l'appelle Fogué m'appellent pour concevoir le plan de résistance. Je leur dis, écoutez, je viens de passer 8 ans de prison, maintenant je veux me concentrer dans mes affaires. Et c'est ainsi que du 21 octobre au 26 janvier, on ne se voit plus et on ne s'appelle plus. So does that mean you practically put an end to your collaboration with... No, not the end, but I've suspended my collaboration because I wanted my alliés. I wanted them to the allies. Yes, I wanted them to explain me why they refuse my proposal. I asked them to tell me why, and I thought if you don't tell me exactly why you refuse my proposal, I cannot continue with you people. J'aimerais qu'on poursuive sur le tribunal militaire pour Eric Kingé. Non, je n'ai pas fini. Il est important que les Camerounais le sachent. Au départ, le juge militaire a voulu s'appuyer sur cette fameuse vidéo que les gars de Paul Biya balançaient dans tous les réseaux sociaux. Mais seulement, le juge militaire s'aperçoit lui-même que dans cette vidéo, s'il tente d'exploiter cette vidéo, il libère Kamto immédiatement. Parce que la vidéo dit que Kamto a refusé de suivre 37 personnes qui voulaient qu'on nomme un gouvernement. Vous savez ce que le juge fait? Le juge décide de cacher la vidéo. Donc c'est-à-dire que la fameuse vidéo que les Sardinats présentent partout comme étant l'élément qui va faire condamner Kamto, c'est le juge même qui commence à la cacher. Parce que moi, Paul Eric King, quand je parle, je mets toujours du cerveau dans ce que je dis. C'est le juge qui cachait cette vidéo. C'est pour ça que le juge va rendre son ordonnance de renvoi
en ne faisant plus allusion à cette vidéo. Vous savez à quoi il a fait allusion? Il a dit que cette fois-ci, les émeutes ne se sont pas préparés à Oja, comme donc dans cette vidéo, mais à Bafoussam, dans un hôtel de la place. Donc dans un hôtel, je veux dire, de Bafoussam. On n'est plus à Oja. C'est-à-dire que les gars qui parlent dans les réseaux sociaux ne savent pas que le juge lui-même a déjà fouillé ma vidéo là. Parce que c'est une vidéo qui dédouane deux personnes. Le professeur Kamto, parce que il a refusé de former le gouvernement, il a refusé de nommer les ambassadeurs, et moi-même, parce que je me détache donc de définitivement. Il faut que les gens aillent suivre cette vidéo. Le juge a donc une vidéo, mais il fuit la vidéo. Le juge Misset a fui la vidéo. Je peux vous apporter l'ordonnance de renvoi. Dans l'ordonnance de renvoi, le juge Misset dit que les choses ne se sont plus préparées à Oja, mais plutôt à Bafoussam. Dès lors qu'il sort dans son ordonnance de renvoi, pour dire que les choses se sont préparées à Bafoussam, je me sentais très à l'aise pour aller au tribunal dire que j'ai quitté Bafoussam quand j'avais 17 ans. J'étais au lycée classique de Bafoussam. Et on ne peut pas m'arrêter pour les faits qui se sont passés 32 ans plus tard. À moins de me dire que quand j'ai quitté Bafoussam, j'y ai laissé mon esprit en train de flagonner pour attendre Kamto en 2019. Il n'y avait pas d'argument pour le tribunal militaire. Je vous assure, s'il y avait eu ce jugement, j'aurais fait imploser le tribunal militaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces neuf mois où plusieurs fois vous avez été appelé à pouvoir rencontrer... Non, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je regrette le fait que les gens qui nous dirigent, j'aime toujours dire qu'ils n'ont pas l'équivalence intellectuelle et mentale des fonctions qu'ils occupent. Ils n'en ont pas. Parce que quand vous arrêtez un gars comme Maurice Kamto, la première chose dont vous devez vous rassurer, c'est que vous n'avez pas fait de petites fautes dans la procédure. Dans les procédures. Mais Maurice Kamto est un professeur émérite de droit. C'est un enseignant universel. J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kamto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États, à l'heure où je parle, qui ne les ont pas encore. Vous arrêtez un monsieur comme ça, dans des procédures où il n'y a pas de mandat, dans des procédures où il n'y a pas ci, dans des procédures où il n'y a pas ça. Quand vous l'amenez devant vous, vous n'êtes pas en train d'amener monsieur Tantampion devant le juge. L'erreur qu'il commet, c'est que sur les 209 détenus, ils extraient d'abord le professeur Maurice Kamto pour l'entendre le premier, le juge d'instruction. S'ils avaient commencé par le gars de Nkololong ou le gars de machin, ils auraient reçu leur coup. La bêtise qu'ils ont commise, c'est qu'ils sortent donc le professeur Kamto comme le premier à être entendu dans cette procédure au tribunal militaire, chez le juge d'instruction. Quand le professeur Kamto y arrive, le professeur Kamto dit, on lui pose la question, monsieur Kamto, vous êtes poursuivi pour ceci. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à toutes ces accusations? Il dit que ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas me juger. Vous voyez que si on avait commencé par un gars de Nkululu, il devait dire que le jour-là, j'étais sorti, il y a eu ceci, il n'y a pas eu ça, il y a eu ceci. Le professeur Kamto a dit au juge, monsieur, vous êtes incompétent pour me juger parce que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Le juge dit, mais attendez, monsieur Kamto, vous ne pouvez pas me tenir des discours comme ça. Vous savez ce que le juge est allé jusqu'à lui dire? Le juge a dit au professeur Kamto, que dis donc, mon frère, vous voulez qu'on ferme les tribunaux militaires à partir de moi? Non, moi, je ne veux pas ça. Pardon, répondez que je... Le professeur lui a dit, monsieur, je ne suis pas en balade devant vous. Lorsque rendez une ordonnance dans laquelle vous dites que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent, le juge a refusé de rendre l'ordonnance. Vous savez pourquoi? Parce que la Cour suprême du Cameroun,
dans plusieurs de ses arrêts, avait déjà rendu des jugements où elle dit que la cour, le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Donc ce juge avait peur de rendre une ordonnance et on faisait appel contre l'ordonnance. À supposer qu'en appel, le juge avait fermé les yeux pour dire que le juge militaire est compétent, à la Cour suprême ne pouvait pas se dédire par rapport à ces jugements antérieurs qui sont déjà des jurisprudences. Le juge ayant vu ce danger et ayant compris que le professeur Maurice Kamto est en train de les amener, parce que voici la conséquence, il faut que les Camerounais sachent, la conséquence immédiate aurait été que si on disait que le juge militaire, on confirmait que le juge militaire ne peut pas juger les civils, alors on laissait tous les détenus de Boko Haram et tous les gardes du Nozo. Donc on fermait la prison principale de Yaoundé, définitivement. Parce que à la prison principale de Yaoundé, il n'y a que des civils, mais qui ont été jugés par des militaires. Mais Paul Éric Inguet, vous savez que sur cette question-là, il y a eu une grosse polémique. Non, la polémique, s'il vous plaît, avant que vous ne parliez de polémique, oui. C'est la seule question qui m'a permis de savoir qu'il y a beaucoup d'imposteurs en droit dans ce pays. Quand vous voyez les gars qui sont avocats, ils viennent créer une polémique, alors qu'ils savent pertinemment que chaque accord qui a été ratifié par le Cameroun est au-dessus de la constitution camerounaise. Et ils le lisent bien dans la constitution camerounaise. Alors, j'ai envie de dire que... Mais vous savez, il y a eu des moments où j'ai pleuré sur mon lit, sur mon mandat, hein, parce que ce n'est pas un lit, sur mon mandat en prison. Je ne pleurais pas mon emprisonnement, parce que j'y ai déjà passé 8 ans, donc vraiment ça ne me gênait pas. Je pleurais pour le Cameroun. Vous permettez que je pose la question finalement? Allez-y. Est-ce que vous savez, vous le savez certainement, que dans le cadre de l'élection présidentielle, je dis à la veille de l'élection présidentielle, dans le cadre de la campagne électorale, les effigies du MRC ont été malmenées dans l'extrême nord du Cameroun, par des élites RDPC et des élites de la localité. Et qu'à cette occasion-là, le MRC a attaqué, ou du moins ça a saisi le tribunal militaire pour demander effectivement qu'il rende une décision par rapport à ces personnes qui étaient accusées par le MRC et les autres. Mais écoutez, monsieur, les anglophones, les gars de chez moi, là, moi j'ai une langue chez nous, là, on appelle ça le pidgin. En pidgin, on dit « somos no bijos ». C'est-à-dire que chacun peut porter plainte. Le MRC se distrait en portant plainte. Mais sauf que il appartenait à Ahmadou Ali de venir dire au tribunal militaire qu'il est incompétent. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut préciser que c'est de Kavaïegué Djibril. Il lui appartenait de venir dire que le tribunal militaire, le MRC a lancé une petite bombe. Mais justement, c'est ça qui a donné à la polémique. Le MRC partait. Parce qu'il y a un sondi. Voilà, le professeur Kajan et le MRC qui estiment que le tribunal militaire est incompétent aujourd'hui. Alors qu'hier, ils ont saisi ce tribunal militaire dans une affaire en cours. Mais je vous dis que le MRC partait simplement par principe, mais en sachant qu'il va perdre. Parce que le MRC savait pertinemment qu'on ne poursuit pas les civils au tribunal militaire. Mais sauf que, dans ces conditions, si Kavaïegué Djibril n'a pas à des avocats comme les avocats que j'ai vus ici, passer sur vos plateaux là, de vrais avocats qui disent qu'ils ont été avocats à Paris et machin, et qui viennent soutenir des incongruités comme celle-là, si Kavaïegué Djibril avait ce type d'avocat, il aurait perdu. Parce que c'est à l'avocat de défendre son client. Et c'est à l'avocat de dire, attention, arrêtez ça, parce que le civil ne peut pas être jugé par un militaire. Mais les gars ont lancé un ballon d'essai. Mais comme je vous l'ai dit, porter plainte n'est pas forcément gagner le jugement. C'est en cela que les gens de Pendja et de Ndjombe disent « Somos no bijos ». C'est-à-dire que le MRC a lancé un ballon d'essai. Il appartenait donc aux avocats de Kavaïegué Djibril de venir dire que le tribunal... Mais sauf que ici, ils ont quand même porté plainte contre Kamto. Contre le pape du droit. Contre le pape, c'est-à-dire que le pape est à Rome. Kamto est en Afrique.
Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention, parce que quand lui il arrive vers vous, vous êtes presque tous ses enseignants. Ils sont très nombreux, les magistrats qui ont été des enseignants de M. Camteau. Vous le dites, c'est très nombreux. Alors, je parle de ses étudiants. Ses étudiants qui sont magistrats. Paul Ekinge, j'aimerais que vous nous relatiez vos conditions de détention. Ces 8 mois passés avec le professeur Maurice Camteau et d'autres militants du MRC et vos camarades politiques, quelles étaient ces conditions de détention que vous avez vécues? Bon, disons que c'était pas... Quand ils disent VIP, bon, le VIP, mon lit, c'était 60 centimes sur 1m20. Et vous voyez mon corps, non? Quand je veux me retourner la nuit, c'est très compliqué. On a vécu comme ça 9 mois. Mais personnellement, ça ne me gênait pas parce que je suis habitué à ce type. J'étais dans mon milieu naturel. Vous comprenez? J'étais dans mon milieu naturel. Et puis, les conditions ne me semblaient pas assez difficiles pour nous. Pour nous, parce que nous étions une famille. On était vraiment une famille. C'est plus difficile quand vous êtes seul. Quand on se levait le matin, on faisait le sport. Et avec, en notre tête, l'entraîneur qu'on appelait Camteau. Donc il mettait son sous-vêtement, nous tous on fait notre sport. Le sport nous a fait tenir pendant 9 mois. Parce que lorsque vous avez fait 1h30 de marche, ou 1 heure de petite foulée, quand vous revenez, vraiment votre cerveau est dégagé. Nous étions dans un combat de résistance. Et quand vous êtes dans un combat de résistance, vous ne vous laissez pas abattre pour si peu. Parce qu'en plus de ça, le droit était de notre côté. En plus de ça, le droit était de notre côté. Donc, nous, nos conditions de détention, je peux vous le dire. Personnellement, je dis, il faut que les Camerounais apprennent à voir un type de politicien qui sert la vérité. Moi, je sers la vérité. Notre solidarité nous a fait envoler la lourdeur de notre présence en prison. Parce que nous mangeons ensemble. Nous communions ensemble, nous faisions le sport ensemble, on jouait au ludo, on jouait au damier, nous passions notre temps dans la convivialité. Et puis nous savions qu'il y aura bien un moment où ces gens-ci vont craquer, et parce que ce n'est pas nous. Ils attendaient à ce que nous on craque. Mais on était moralement armés, pour 2 raisons au moins. Parce que, premièrement, parce que le droit était de notre côté, ensuite parce que le peuple était de notre côté. Pourtant, il y a eu la presse panafricaine qui s'est exprimée à la suite de l'arrêt des poursuites judiciaires prononcées en votre faveur. Elle fait savoir qu'il y a eu des négociations entre le professeur Maurice Camteau et la présidente de la République. Et que votre cas particulier a retenu l'attention durant les négociations. Est-ce que vous confirmez ces informations? Mais vous me donnez beaucoup de poids. Vous me donnez le poids que je ne mérite pas d'avoir. Parce que moi, j'ai lu ce machin-là, ce chiffon de Jeune Afrique. Jeune Afrique dit qu'il y a une négociation, mais Jeune Afrique revient sur mon cas personnel pour dire que Paul Biya ne voulait pas me libérer parce que les caciques avaient dit si. Mais alors, ça me montre que moi, on me craint. On me craint beaucoup plus que Camteau. Si c'est vrai, c'est qu'on me craint beaucoup plus que Camteau. Parce que si vous devez retenir celui qui n'a fait que manger les beignets et libérer ceux qui ont marché, alors ça veut dire que vous redoutez celui qui n'a fait que manger les beignets. Est-ce qu'il y a eu des négociations? Moi, que M. Biya me craigne. Est-ce qu'il y a eu des négociations? Maintenant, pour revenir sur les négociations, je peux vous assurer que pendant 9 mois, vous allez d'ailleurs constater que nous signons nos communiqués. C'était des communiqués conjoints que nous signions à chaque fois. Jamais, mais alors jamais, le professeur Camteau n'a négocié avec personne. D'abord, il ne pouvait pas. Il essayait, moi je l'exposais. Mais écoutez, ne me prenez pas. Moi, je suis pas l'élève du professeur Camteau. Je suis un allié. Si le professeur Camteau s'était détaché une seule fois pour aller faire une négociation, il serait tenté de venir nous en parler. Vous comprenez? Il n'a ni négocié, ni discuté avec qui que ce soit, ni fait quoi que ce soit. Au début, il y a eu ce type d'approche. Les gens ont voulu nous approcher. Mais rapidement, Zonga a dit, écoutez, arrêtons ces histoires-là. On n'a pas à discuter avec ces gens. Je suis venu, j'ai renforcé ça. Et puis, on est sorti de prison sans aucune négociation. Vous savez, il y a des Camerounais
qui veulent se faire importants, qui veulent se donner de l'épaisseur. Dans leur esprit, chaque fois qu'ils parleront de Kamto, ils vont être connus. Moi, je pense à celui qui a propagé cette nouvelle. Je préfère ne pas citer son nom parce que moi, je ne veux pas donner du poids aux gens qui n'en ont pas. Il a déjà son poids naturel. Comme moi, il doit tout faire pour maigrir. Mais je ne veux pas lui donner le poids politique. Celui qui a sorti de telles informations. Vous comprenez? Maurice Kamto n'a rien négocié. Penda n'a rien négocié. Zonga n'a rien négocié. En tout cas, nous étions quatre alliés. Paul Eric King n'a rien négocié. Nous n'avons fait aucune négociation. Aucune. Mais je vais maintenant vous dire. Le professeur Kamto aimait dire, si je dois mourir ici, c'est avec fierté que je le ferai. Je ne discute avec personne. Je ne fais rien si je dois mourir. D'ailleurs, je préfère même qu'on vous libère. Moi, je resterai ici. Quand quelqu'un atteint ce niveau de dire, alors qu'il a des procès qu'il aurait dû suivre à Paris et partout et autres, il est embrigadé seulement parce qu'il a marché, comme si marcher était un crime, comme s'ils avaient des éléments de preuve contre le professeur Kamto. Oui, le professeur Kamto était à Bafoussam, à une réunion. Il était à Bafoussam. Mais maintenant, il faut prouver que entre sa présence à Bafoussam et sa présence à Bafoussam visait à faire des... Il était à Bafoussam pour réarmer. Paul Rekinge, est-ce qu'il existe une lettre de pardon qui a été rédigée par certains détenus pour pouvoir bénéficier de l'arrêt des poursuites judiciaires? Je dis qu'il n'y a aucune lettre de pardon. C'est ce que j'explique. Maintenant, si il y a eu des gens, comment vous appelez ça, à la prison centrale, parce que nous, on était à la prison principale, alors on ne peut pas savoir. Mais nous, leaders de ce mouvement, n'avons fait aucune lettre d'excuse. Mais attends, comment pouvez-vous demander pardon? Moi, Paul Eric King, je demande pardon à Paul Biya. Pourquoi? Parce que je suis allé manger les beignets et il est venu m'arrêter une seconde fois. Vous n'avez pas l'impression que ce serait la fin? Mais Paul Eric King, vous avez... Lui, je voulais demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il est venu à Douala marcher et on l'a kidnappé pour le mettre en prison avec un mandat de perquisition. Mais ces manifestations étaient perçues dans les rangs du RDPC et des pouvoirs publics comme une tentative d'insurrection et de déstabilisation des institutions du Cameroun. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas d'autres arguments. C'est un régime qui est aux abois. Même la fourmi qui passe maintenant leur fait peur. Pour les liquides, il s'envole là maintenant, le régime commence à paniquer. Yes, vous parlez de quoi? Ils peuvent parler de tentatives de ceci, tentatives de cela. Mais dites-moi un peu. Il me semble que le professeur Kamto était à Douala. L'Indiamène et autres. Vous pouvez me dire la boutique qui a été cassée ici? Si vous ne cassez pas une boutique à Douala, où vous-même vous marchez? Comment allez-vous casser une boutique, une ambassade à Paris? Ça pose forcément problème. Moi, j'aime l'équité. Il faut que les gens qui nous dirigent, s'ils le veulent, qu'ils écoutent. S'ils ne le veulent pas, parce qu'en général, ce qui les caractérise, c'est l'orgueil, qu'ils ne m'écoutent pas. Il faut qu'ils sachent que chaque fois qu'ils vont arrêter quelqu'un de manière injuste, ils seront en train de l'engraisser. C'est-à-dire que chaque arrestation non fondée d'un homme politique, c'est l'engrais qu'on verse sur cet homme politique. Voyez-vous, j'ai vu une scène qui m'a un peu surpris dernièrement. Laquelle? Il y a quelqu'un qui, parmi les détenus là, qui est rentré à Tcham. Il a été reçu comme Dieu. À Tcham. Ce monsieur, je ne suis pas sûr qu'avant qu'il ne parte en prison, il pouvait réunir deux membres de sa famille. Donc, les hommes politiques, je dis, c'est pour ça que je doute parfois du niveau académique des gens qui nous dirigent. Quand vous arrêtez quelqu'un et que ça renforce dans l'imagerie populaire que l'idée de l'injustice, vous préparez, vous donnez de l'épaisseur politique à la personne. Et pour votre cas, vous avez saisi les instances internationales. Oui, oui. Pour mon cas, moi j'ai saisi l'ONU, et d'ailleurs tous les autres ont saisi l'ONU. Il me semble que
Fogué a saisi le comité des droits de l'homme et a demandé 67 milliards de réparations. Moi, j'ai été le plus raisonnable, j'ai demandé 10 milliards. Je crois, quand on somme tout ça là, c'est 3720 milliards de francs que l'État du Cameroun va payer. Je voulais vous dire que ce jugement va être rendu le 21 novembre. Pourquoi aller vers l'ONU alors que le gouvernement estime que le geste du chef de l'État est un signe d'apaisement? On l'a fait avant. On l'a fait il y a 6 mois. Nous, on n'a pas attendu. Pendant qu'on est là-bas, nous avons saisi le comité des droits de l'homme. Et nous avons évalué, parce que je vous prends un exemple banal, cher monsieur. Vous m'avez pris 8 ans de vie. Vous revenez me prendre 9 mois de vie. Aussi gratuitement parce que je suis allé manger les beignets. Je dois croiser les bras pour vous regarder. Si Cam te laisse ça et les autres laissent, moi je ne laisserai pas. Mais pour le riz, je vais porter plainte à cet État, à ce gouvernement. Autant de fois qu'ils m'arrêteront, il y aura bien un jour où ils vont me dire que prends le Cameroun. Parce que ce seront des milliards accumulés. Moi, je continue à dire qu'il faut qu'ils fassent très attention. Et ils me suivent. Tous sont en train de me suivre. Les renseignements généraux, ils s'appellent là, au moment où je parle. Parce que moi, je peux au moins leur envoyer un message. Un message fort. Pour dire, cessez de prendre des Camerounais pour des cafards. Nous ne sommes pas des cafards. Les Camerounais, c'est des êtres humains. Monsieur Biya avait dit une fois qu'il aimerait qu'on retienne de lui que c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Mais vraiment, j'ai envie de demander au président Paul Biya de se regarder au miroir. J'ai envie de lui demander de se regarder au miroir. Comment peut-il expliquer qu'il est président dans un pays où on arrête quelqu'un parce qu'il est allé manger les beignets de haricots? Mais Paul-Éric Inguet, vous insistez sur cette affaire de beignets. Comment ça devient une caricature? Ça pourrait donner l'impression, effectivement, aux téléspectateurs, du moins ceux qui sont les moins avisés, qu'effectivement c'est à cause de ces beignets. Vous savez très bien. Mais c'est à cause des beignets. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Permettez-moi de vous poser la question. Allez-y. Alors, vous savez quand même qu'il y a eu une élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre. Le Conseil constitutionnel, et qui est le juge électoral et qui décide en dernier ressort, a rendu public les résultats. Oui. On a bien observé que quelques mois après, je veux dire, c'est le 26 qu'on organise, que vous organisez, que ces marches sont organisées. Non, pas vous. Moi, je n'étais pas à la marche. Bon, enfin, je n'ai pas pris part à la marche. Quand je parle du NRC et puis ceux qui ont organisé les marches. Oui. Il y a donc cette contestation-là. Oui. Alors, vous estimez que on peut avoir... Est-ce qu'on n'a pas le droit de contester? Non. La question, c'est... Oui. Est-ce que vous estimez donc que tous ces mouvements-là doivent être passés par perte et profit? Mais attendez, je vous pose une question. Oui. Est-ce que ça pose un problème que les gens contestent? Est-ce que la loi, qu'un juriste vienne me dire si la contestation d'un résultat... Puisque celui que vous avez présenté justement comme étant le pape du droit, lui-même a pris l'habitude d'enseigner, et ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, que lorsque le juge électoral, le conseil constitutionnel, la dernière institution... Quelle est l'information qui en découle si on conteste le juge? Vous savez qu'une loi peut être la loi, mais elle peut aussi être une mauvaise loi. L'apartheid en Afrique du Sud, c'était une loi. Alors, si cette contestation, même constitutionnel. Si cette contestation, monsieur, mais est-ce que l'apartheid était une bonne loi? Paul King et Duval Fongois, je vous invite à observer d'abord une pause. Nous poursuivrons cet échange dans la deuxième partie de cette émission. L'émission La Vérité en Face avec pour invité Paul King. D'abord, une courte pause. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en Face sur Equinox Télévision pour la première sortie exclusive de Paul-Éric Kingé après 9 mois passés en détention. Et Duval Fongois était en train de l'interroger sur les rôles qu'il a joués durant l'élection présidentielle et les contestations qui en ont découlé. Non, en fait, la question que je posais, parce que tout à l'heure, pendant la première partie de l'émission, il insistait sur cette caricature, mais quoi qui peut donner l'impression finalement aux téléspectateurs que c'est
pour avoir mangé des beignets haricots. Mais c'est seulement pour ça. Non, il y a une contestation post-électorale. Est-ce que et cela a été dit, et cela a été dit dans la note qui annonce l'arrêt des poursuites. Les gens, contestation de l'élection présidentielle. Mais est-ce que la contestation est normale? Les gens ne peuvent pas contester? Cette contestation peut déboucher sur les troubles à l'ordre public. Non, il faut d'abord qu'il y ait trouble à l'ordre public. Puisque justement le sentiment qu'on a eu... Est-ce qu'il y a eu trouble à l'ordre public? Paul Yekenga, vous avez reconnu qu'il y a une vidéo qui circule dans laquelle vous vous invitez le professeur Moïse Campbell. Mais monsieur, la vidéo... Permettez que je pose la question. Allez-y. Alors, cette vidéo qui a été identifiée, d'ailleurs, vous reconnaissez que ça a été fait, nommer un gouvernement, nommer des ambassadeurs... Il y a eu un gouvernement. Je pose la question pour que je finisse. Oui. Alors, est-ce que ces éléments-là ne peuvent pas donner l'impression, justement, qu'il y avait l'intention de provoquer une insurrection qui pouvait déboucher sur la déstabilisation des... Non, on ne poursuit pas les gens seulement pour l'intention. On peut suivre les gens. Dans un pays normal, il y a des canaux de suivi. La police existe. Les renseignements généraux existent. Les gens... Mais l'intention, elle, les éléments qui caractérisent une infraction. Non, il n'y avait pas d'intention. Il n'y avait pas d'intention. Je vous ai dit que nous qui avons proposé ça avons décidé de nous désolidariser. Quand on a rejeté ça, quand on rejette, où est l'intention? Alors qu'est-ce qu'un État sérieux fait? Mais c'est que l'État sérieux laisse tomber. Non, un État sérieux fait ceci. Fait des enquêtes. Non, pas des enquêtes. Parce que une fois que vous avez pris quelqu'un pour une seule journée, vous devez lui dire pourquoi vous l'avez pris. Vous comprenez? Un État sérieux met la police derrière nous sur au moins 6 mois. Pour regarder nos mouvements, pour nous épier. Un État sérieux, c'est comme ça. Ok, Kingé a dit si, suivons un peu, regardons leurs mouvements, voyons qui entre chez Kingé, voyons qui entre chez Kamto. Mais un État ne prive pas de liberté un citoyen sur le seul motif que ils avaient fait une réunion et la réunion, ils ne se sont pas entendus. 37 personnes sont allées, le président a refusé de faire le gouvernement. Y a-t-il eu problème? Paul Est-ce qu'il y a eu trouble à l'ordre public? Paul Eric Kingé, the president of the republic is afraid of you in particular. Are you among those who want to destabilize this country? I will never do that. You accuse yourself my fight doing that already. My fight is to contribute to move these people from the power or from the... Okay, that is my contribution. Mais comment? But legally, we must do it legally. We must do it legally. And for me, to work is legal. To work is constitutional. But that has nothing to do with accusing you of hostility. No, hostility is what it is, just what we call in French affabulation. Il y a eu affabulation parce que les gens ne peuvent pas marcher et vous allez sortir hostilité à machin là. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que vous avez vu tous les amis du Cameroun dans le monde, y compris les organisations internationales, ont dit arrêtez-nous vos histoires là. Laissez ces gens-là. Dans quel pays peut-on, dans quel monde peut-on penser que un pays comme le Cameroun, les gens n'ont plus le droit de marcher? Soyons quand même un peu sérieux. Nous avons reculé de 52 ans. Parce que ça, c'est au moment des lois d'exception. Pendant les lois d'exception, et là maintenant, je voudrais lui dire, pendant les lois d'exception, il suffisait seulement de penser. Et c'était suffisant pour que on vous fusille. Paul Eric Kingé, en plein 2000, les autorités administratives estiment qu'il y a eu des interdictions de ces manifestations publiques pour risque de troubles graves à l'ordre public. Pourquoi avoir bravé de telles interdictions pour mener des marches, manifestations? Monsieur Nouvelle, sur cette question, je peux faire que le professeur Maurice Kamtoy apporte des réponses. Parce que vous comprenez bien que j'étais pas là. J'étais pas à la marche. J'étais pas non plus à la préparation de la marche. Donc à partir de ce moment, je ne sais pas si on a bravé, s'il y a même eu demande de manifestation ou pas, je ne sais pas. Et à partir de ce moment, vous ne pouvez pas me poser des questions sur des choses. Je peux avoir votre avis sur le saccage des ambassades. Est-ce que c'est un acte que vous réprimez, que vous condamnez?
Bon, ma position va être vraiment mitigée. Il faut déjà que les Camerounais sachent pourquoi il y a eu saccage. Ça, c'est important. Parce que moi, je suis venu ici pour ça. Faut pas dire. Il y a eu saccage plusieurs mois après. J'ai été informé et j'ai recoupé. Il y a eu saccage parce qu'on a tiré sur Ndiamène. Parce que, souvenez-vous, il y a eu des vidéos qui ont circulé avant cette marche du 26. Qui disaient que si nous entendons que le chevet de quelqu'un est tombé pour la marche du 26, vous allez nous ressentir. Vous allez nous voir. Il y a eu ces vidéos. Allez les chercher dans les réseaux sociaux. À partir donc de ce moment, quand les gars ont vu le sang jaillir de la piste de Ndiamène, ils ont dit, bon, il est temps, on agit. Donc, en réalité, ce n'était pas quelque chose de préparé. C'était une réaction à une violence. J'aurais pu réagir autrement. Oui, mais ça aussi, même le gouvernement pouvait réagir autrement. Mais attendez, moi, je ne vous comprends pas. Le gouvernement pouvait ne pas tirer sur Ndiamène. Pourquoi vous voulez que c'est les autres qui réagissent autrement? Dans ce cas, si vous condamnez le gouvernement... Moi, je condamne le gouvernement. Cette réaction, je condamne également ceux qui ont cassé nos ambassades, parce que nos ambassades restent tout au moins selon le principe d'extraterritorialité des États, des prorogations de l'État du Cameroun là-bas, à l'extérieur. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais seulement je voudrais qu'il soit suffisamment bien compris que la violence peut entraîner la violence. C'est-à-dire qu'un gars qui décide de se lever le matin, il marche, vous tirez sur lui, l'autre côté peut dire, comme vous avez tiré sur notre fils, sur notre militant, sur notre papa, sur notre enfant, nous aussi on va tirer sur vous. Mais sauf que le monopole de la violence légitime revient à l'État. Et il n'y a pas dans des cas comme ceux-ci. Le monopole de la violence légitime. Non, dans des cas comme ceux-ci, il n'y a pas que la violence légitime. Il y a la violence tout court. Monsieur, n'oubliez pas que de la frustration peut naître l'agressivité. N'oubliez pas ça. Chaque fois que vous avez frustré les gens, chaque fois que vous avez tiré sur les gens, il n'y a que moi, dans ce pays, qui pardonne ce que beaucoup de gens ne pardonneraient pas. N'oubliez pas qu'on m'a pris 8 ans de ma jeunesse et je suis resté tranquille. D'ailleurs, je prie même pour que Marafa soit libéré. Il n'y a que moi, à qui on a pris 9 mois après 8 ans, qui reste tranquille. Parce que j'ai d'autres forces. J'ai des forces supranaturelles. La force supranaturelle que j'ai, c'est Dieu. Dieu ne me laisse pas en cas de difficulté. Il sait toujours me tirer chaque fois que je suis en difficulté. Mais, mais alors, les autres n'ont pas cette même force de caractère. C'est-à-dire que chez les autres, tu fais la violence, Pour mais justement, Duval Fangoy, j'aimerais qu'on avance dans cette émission. J'aimerais qu'on avance dans cette émission pour évoquer le fait que vous avez été directeur de campagne pour le candidat Maurice Kamto, candidat du MRC durant l'élection présidentielle. Et pour certains Camerounais, cette campagne a été marquée par un discours tribal, extrémiste, insurrectionnel, alors que vous étiez le directeur de campagne. Que répondez-vous à ces critiques? Bon, j'avoue, ça je voudrais le dire ici, le discours tribal précédait les élections. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Moi, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai attiré l'attention des militants du MRC d'arrêter vraiment ces histoires. Parce qu'à l'époque, dans les réseaux sociaux, dès que vous parliez de Kamto, vous aviez des flèches qui vous sortaient de partout. Maintenant, un jour, je me suis amusé à regarder les gens qui réagissent. Tu avais Fondio Foyette, tu avais tel, tu avais Kandem, tu avais ceci. C'était pratiquement ça. Moi, j'en ai été victime. J'ai attiré l'attention pour dire, faites très très attention, parce que j'ai peur. J'ai peur pour ce pays. Mais les gars Betty, les gars du centre, sont également entrés dans ce jeu. Finalement, c'était devenu un ping-pong entre les gars qui cherchent à conserver leur pouvoir. Parce que ce que les dirigeants vont dire aux gars là, qui n'ont même pas souvent de babouche au pied, rien ne doit expliquer que le Cameroun souhaite attirer l'attention. Et quand j'ai attiré l'attention, je me suis vu satisfait de ce que le professeur Maurice Kamto a pris un communiqué pour instruire ses... Là, quand il a fait ça,
J'ai compris que c'était un personnage sérieux. Communiquer, se communiquer. Mais dans le, dans le RDPC, on estime que l'idéologie que vous prenez se résume en violence et désordre. Mais qui est plus violent que l'autre? Quand on tire sur Ndiamène, c'est nous qui avons tiré sur Ndiamène. Moi, je ne comprends même pas cette histoire-là. Quand on tire sur Ndiamène, on tire sur Ndoki, alors que Ndoki n'était même pas à la marche. Qui est violent? Il faut le dire en français facile. Moi, je suis venu le dire en français facile. Quand on tire sur Ndoki, une femme, le sang coule. Pour après dire que non, c'est un make-up qu'elle a fait. Je voudrais vous dire que le pied de Ndoki a failli pourrir en prison. Son pied là a failli pourrir en prison. La violence est de quel côté? Les gens marchent avec l'arbre de la paix, vous tirez sur eux. Mais vraiment, dites aux Camerounais, moi je suis venu dire ici que personne ne peut marcher avec l'arbre de la paix et on tire sur lui. Et on accuse plutôt celui sur qui on a tiré. Vous savez que, alors que les avocats voulaient porter plainte contre celui qui a tiré, le magistrat a demandé 5 millions. Vous le savez? C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on peut tirer sur toi et on dit au magistrat que pour qu'il y ait justice, pour accéder à la justice, il faut d'abord que celui qui a reçu la balle paye 5 millions. Vous pensez, j'ai envie d'envoyer un message fort au président Paul Biya. Monsieur Paul Biya, est-ce que dans votre pays, on peut tirer sur un Camerounais, il veut aller en justice, on lui demande 5 millions? Voilà la vérité. Vous êtes sorti de prison. Maintenant, vous nous parlez de violence. Moi, je vais vous dire un peu. Pendant la campagne, les gens confondent fermeté et violence. Moi, j'ai été ferme en tant que directeur de campagne. Ma toute première conférence de presse, j'avais dit à cette conférence de presse que rien ne sera plus comme avant tant que je serai directeur de campagne pour les 15 jours. Et que toute tricherie du RDPC sera véritablement contrecarrée. J'étais même allé jusqu'à dire que nos militants, si on vous donne un coup de poing là-bas, vous donnerez un coup de poing. Justement, c'est ce discours. Non, mais attends. Attendez, on ne peut pas accepter que dans une élection, les gens portent les urnes et se mettent à s'enfuir. Vous portez l'urne pour vous enfuir, on vous arrête. Mais il faut saisir la justice. On ne peut pas saisir. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas saisir la justice. Parce que c'est d'abord un dimanche. La justice ne travaille pas le jour du vote. Les huissiers de justice même ne travaillent pas. Vous comprenez? Il vous reste quoi? That is preaching violence. Je vais vous dire, le jour où moi, King, je serai candidat à une élection, comme ça arrive là, je vais ramener 400 gros bras de partout pour que chaque bureau de vote soit sécurisé. Il y en a 25 000, ainsi étant. Non, je dis là où vous serez candidat. Ah d'accord, mais la question... Donc, il faut que les gens sachent que on ne peut pas, dans un pays, c'est un pays, ce pays que vous voyez là, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons de comme richesse. Nul n'a le droit de le mettre en péril. Et nul n'a le droit d'appeler à l'insurrection. Non, on ne peut pas appeler à l'insurrection. Nous n'avons jamais appelé à l'insurrection. Regardez le discours du professeur Maurice Kamto. Il a toujours dit qu'on va agir dans la paix. Il a toujours parlé de paix. Moi, je respecte ça. Mais dites-moi un peu. Si on vous disait que Paul Henri King est devenu rebelle un jour, ça va vous choquer? Je pose cette question. Dites aux Camerounais, répondez-moi. Ça va vous choquer? Mais vous avez un frère à qui on a pris 8 ans de vie, de sa jeunesse, on lui prend encore 9 mois de sa jeunesse, et on vous dit un matin qu'il est entré dans la brousse, ça va vous choquer? Vous allez dire que on a préparé ce gars-là à entrer en brousse. Mais Paul Eric, et c'est un peu ça, chaque fois qu'il y a un sentiment d'injustice, c'est un peu ça qui peut arriver. Est-ce que pour autant il faut justifier cette radicalisation qui est observée, ce discours de haine qui prend de l'ampleur? Je vous ai dit, je ne peux en aucun cas tolérer un discours de haine.
But Paul Eric, when you say a blow for a blow, that is preaching violence and you know, jungle justice, which is punishment. Même la Bible a dit, on vous gifle, même la Bible l'a dit. Non, la Bible, c'est vous venir. Oui, mais ça c'est la Bible dans l'Ancien Testament. Non, dans le Nouveau Testament, c'est plus la même chose. Dans le Nouveau Testament, les Camerounais doivent marcher en tissu. Là, dans le Nouveau Testament, c'est. Merci Paul Bia d'avoir tiré sur moi. C'est ça que vous êtes en train de vouloir dire. Non, la question que je vais poser pour Eric King, c'est quel est le. Je vous dis. Pour vous, que signifie l'État? L'État? L'État, oui. L'État, c'est la force publique. Mais l'État... Et qui garantit la sécurité de tous et de chacun. Mais l'État, c'est aussi le peuple. C'est aussi les populations. Oui. C'est-à-dire que c'est un conglomérat de territoire, d'air, du sol, de machin, mais la force publique. Mais il n'y a de force publique que là où il y a le peuple. Est-ce qu'on... Maintenant, si vous excluez le peuple, oui. Il n'y a plus d'État. Parce que vous ne pouvez pas faire d'État sans le peuple. Et ce peuple n'est pas là comme des parpaings, c'est-à-dire comme des trucs de remplissage. Vous devez, le peuple a les droits. Le peuple a les droits. Je voudrais vous dire que même en Birmanie, où Aung San Suu Kyi était mise en résidence surveillée pendant 18 ans, il me semble, 18 ans, tous les sous-préfets étaient colonels, hein, étaient généraux et autres. On a fini par plier les autorités birmanes. Parce que le peuple n'est pas un bétail. Le peuple, ce n'est pas le bétail. Le peuple a des droits. Le peuple camerounais ne demande que le respect minimal de ses droits. Et j'en reviens à la deuxième question. Et si vous respectez minimalement les droits du peuple, mais attendez, qui garantit ses droits? C'est ça la question à laquelle je voulais répondre. Non, mais qui garantit ses droits? C'est l'État. Et quand l'État refuse de les garantir, qu'est-ce que celui-là fait? Alors, il remplace la coquille. Mais si l'État s'affaiblit, est-ce que vous savez que les guerres arrivent des frustrations? Vous le savez? Donc, est-ce que vous trouvez normal qu'on m'ait pris 8 ans de vie et qu'on vienne me prendre 9 mois de vie? On fait ça 3 fois, 4 fois. Moi, j'entre dans le maquis. Moi, j'entre dans le maquis. Et je le dis publiquement. Il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas passer une vie à frustrer des individus parce que vous croyez être fort à un moment donné. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Il y aura bien un moment, chers messieurs, où les cabas et les perruques vont être interdits d'être vendus parce que ces gens chercheront à fuir ce pays. Personne ne sera masqué. Personne ne sera masqué. Personne ne sera masqué. Le mal qu'ils font subir au peuple, qu'ils fassent très attention. Moi, je les interpelle de faire très attention. Ils m'ont pris 8 ans de ma vie, ils y ont ajouté 9 mois de ma vie. Il faut qu'ils fassent très attention. Ils ne sont pas éternels. Nous sommes dans un film. Le film a commencé, mais qu'ils sachent bien que la fin du film peut ne pas être à leur avantage. Il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils sachent en même temps que... On ne peut pas diriger un peuple comme si on dirigeait du bétail. La différence entre l'animal et nous, c'est que nous, on a une âme. Je ne suis pas sûr que l'animal a une âme. Les gars, là, nous dirigent comme si nous n'existons pas. Comme si nous sommes des objets de remplissage au Cameroun. Alors, nous ne pouvons pas être des objets de remplissage au Cameroun. Alors, le président de la République... Vous ne pouvez pas pousser un monsieur comme moi. Mais écoutez, je suis né d'une femme chrétienne. Une petite paysanne qui ne faisait que des beignets pour vivre... Elle me porte 9 mois en vente. Vous transformez ma vie en vie de prisonnier. Quand vous le faites, vous attendez quoi de moi, monsieur? Alors, vous le faites une fois. Vous n'êtes même pas décent de me dire, Paul Eric, la justice t'a blanchi. Vraiment, excuse. Vraiment, tu es un Camerounais comme nous. Vous revenez une seconde fois me prendre. Si vous me prenez une troisième fois, vous me prenez une quatrième fois, vous pouvez être sûr que même si je dois vendre mon âme, je vais vendre mon âme. Alors, il faut que les Camerounais aient ça en tête. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Sans appeler à l'insurrection, vous l'avez dit, ce n'est pas votre credo. J'aimerais qu'on puisse s'intéresser à présent à une situation. On n'a pas besoin d'appeler à l'insurrection. À une situation que le Cameroun traverse depuis près de 3 ans, c'est la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui a un impact dans le département du Mungo, qui est le département là où vous avez votre bastion électoral d'antan. Comment appréciez-vous la gestion de cette crise? Bon, je voudrais déjà dire, je suis passé dans une émission ici chez Otou. Serge Alain. Serge Alain, Otou, le 17 janvier 2017. Le 15 janvier 2017.
Cette crise venait de commencer 2 mois seulement avant. Vous pouvez aller dans les réseaux sociaux sur YouTube, vous allez trouver l'émission Dimanche avec vous, où j'appelais le chef de l'État à descendre de son piédestal. Parce que le Cameroun est l'un des rares pays où le chef de l'État est Dieu et les autres sont en bas. C'est l'un des rares pays. Paul Kagame cure les caniveaux là-bas au Rwanda. Je peux vous citer des présidents comme ça qui sont avec leur peuple dans la rue. Ok, on peut comprendre que son âge ne lui permet plus de curer les caniveaux. Mais au minimum, quand il y a des problèmes, le président doit descendre de son piédestal et il peut parler à son peuple. Nous n'étions qu'à 2 mois du début de cette crise. J'ai parlé dans Dimanche avec vous, allez dans vos archives. J'ai supplié le président en lui disant, Monsieur le Président, allez parler à votre peuple. Il n'y avait encore aucun coup de feu. Mais je parlais comme un visionnaire, parce que moi je parle toujours comme un visionnaire. Deux ans plus tard, le bilan est 1000 déplacés, 3000 morts et tout ça. Avait-on besoin d'en arriver là? Vous demandez mon avis sur la gestion de cette affaire, c'est complètement raté. Le gouvernement a complètement raté cette histoire-là. Le gouvernement aurait pu arrêter cette affaire avant qu'elle ne dégénère. Maintenant, quand elle a même dégénéré, le gouvernement avait encore la possibilité d'arrêter ça récemment là. Quand le chef de l'État a convoqué son grand dialogue national, tout ce qu'on demande à M. Biya, c'est simplement la sincérité. Qu'il se dise, j'ai 87 ans, Dieu m'a donné la chance que peu de gens ont sur la terre. Il m'a donné un peuple amorphe qui m'a permis de vivre pendant 34 ans, des milliards, d'aller dans les avions. Vraiment, je dois remettre à ce peuple le minimum qu'on m'a remis. Le minimum qu'on a remis à M. Biya, c'est un pays en paix. Quand Aïdjo lui laissait le pays, il n'y avait aucun front de guerre dans ce pays. Paul Eric Kingé, what explains the poor management of the crisis according to you? Is it the simple fact that the President of the Republic did not speak to the people, did not go to the northwest or the southwest to speak to the people? No, the problem is that if you refuse to hear, to understand the other people, to hear what they have in the mind, you cannot know exactly what is their problem. Normally, the first step needed the president to go to Southwest and Northwest, discuss on them with those people and see exactly what can be done. He refused to do it. Et d'ailleurs, vous allez même vous rendre compte que pendant longtemps, il y a même eu un déni. On disait même qu'il n'y avait même pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Deux personnes meurent. Il n'y a pas de problème. Vous savez ce que ça fait quand nos vaillants soldats tombent sous les coups de balle, sous les coups de machette? Quand les civils tombent sous des coups de balle, sous des coups de machette, qu'est-ce que le président Paul Biya a encore à perdre? Le président Paul Biya doit seulement dire que « Mes enfants, j'ai essayé. Vous aussi, aidez-moi à essayer. À finir avec vous en beauté. » Je peux vous rassurer que si le président Paul Biya... Regardez que ce grand dialogue s'est passé sans nous. Ça veut dire que nos avis n'ont pas compté. Et ils vous disent qu'ils dialoguent. La vraie opposition au Cameroun, c'est nous là. C'est pas l'opposition choisie. Mais vous auriez pu envoyer vos représentants à ce grand dialogue national. C'est nous qui étions représentants de nos peuples, de notre peuple. C'est nous qui étions des représentants. C'est-à-dire qu'il fallait nous sortir pour qu'on aille là-bas. C'est nous qui étions des représentants. Nous, les leaders. On ne peut pas envoyer des représentants alors que nous-mêmes, on n'est pas morts. C'est nous qui étions des représentants. Ils n'ont pas voulu qu'on y aille. Ils n'ont pas voulu qu'on y assiste. Cela n'a même pas simplement suffi. Ils ont même tout fait pour que les leaders anglophones n'y soient pas. Comment voulez-vous résoudre les problèmes des anglophones sans que les principaux leaders y soient? Je pense à Ayoub Tabe et son équipe. Vous savez que récemment encore, les gars au nord-ouest et au sud-ouest disaient « Libérez d'abord Ayoub Tabe ». Qu'est-ce que ça coûte au président de libérer ce monsieur? Le chef de l'État a dit que des gens ne peuvent pas être des instigateurs des crimes dans ces régions et penser que l'organisation d'un dialogue
puisse leur permettre de bénéficier de l'arrêt la paix, de la judiciaire. La paix n'a pas de prix. Allez le dire partout. Dites que Paul Eric King a dit ça. D'ailleurs, les gens peuvent même être dehors là. Ils m'attendent encore, ils m'amènent au GSO. La paix n'a pas de prix. 3000 morts, c'est beaucoup. Le président pouvait dire, M. Biya pouvait dire, écoutez, 3000 morts, c'est beaucoup. Monsieur Ayoub Tabe, je veux discuter avec vous. Si vous avez des amis aux États-Unis ou partout, dites-leur de venir, moi je veux discuter avec vous. Il y a eu 333 personnes qui ont été libérées dans le cadre de ce grand dialogue national. Et il y a eu certains leaders des groupes armés qui ont également commencé à discuter grâce à un cadre, une plateforme qui a été mise en place avec la Suisse. Est-ce que ce ne sont pas des signaux qui montrent que le chef de l'État a la volonté politique d'aller vers la résolution de cette crise? Vous avez les résultats de cette histoire de Suisse? Des 333 gars qui ont été libérés, mais c'est des gars qui étaient en train de courir dans les marchés, on les a arrêtés. Qui vous a dit qu'ils ont quelque chose à voir avec les affaires anglophones? Mais c'est les signes de ce sont des baléens, des gars qui étaient en train de... Qui vous a dit qu'ils ont... Les vrais anglophones qui ont des problèmes avec l'État du Cameroun sont là. Il faut qu'on discute avec eux. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour offrir ma médiation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Non, je voudrais en profiter pour proposer ma médiation à l'État du Cameroun. Quel rôle comptez-vous jouer? C'est-à-dire discuter avec M. Ayoub Tabe, l'amener sur, sur la table avec les gens qui nous dirigent. Moi, je voudrais proposer ma médiation. Il vous a susurré quelque chose comme ça, là, au creux de votre oreille, pendant que vous étiez... Non, il n'a pas susurré quelque chose de ce genre, mais contrairement à ce qu'on pense. Vous savez, on a peint M. Ayoub Tabe comme quelqu'un qui porte des cornes. Mais ceux qui l'ont peint ainsi, c'est les militants de l'industrie de la guerre. C'est des gens qui ne vivent que de la guerre, là. Ils passent leur temps à dire à M. Biya... Oh Ayoub Tabe, on lui fait des machins. Ayoub Tabe, c'est un homme normal. Who are those people, Paul? C'est un homme normal. Who are those people? Who are those promoting the war in the northwest and southwest regions of the country? Who are you talking about? What are you saying? You said that there are some people who are living on the war in the northwest and southwest. Et qui serait un pyromane? C'est pyromane, c'est qui? Non, je n'ai pas besoin. Vraiment, j'ai pas besoin de le dire. C'est connu de tout le monde. Je dis que il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la guerre du nord-ouest et du sud-ouest s'arrête. Quoi dit? Vous savez que l'État sort tous les mois de l'argent pour la logistique. Ils voudraient bien que la logistique se gère et que l'argent dans leur poche. Ils n'ont pas intérêt à ce que tout ça s'arrête. Mais le président, M. Biya doit aller plus loin pour dire, mais attention, les rapports que je reçois de mes gens-là, il faut que je regarde aussi à côté. Il y a des idiots. Il peut même m'appeler idiot. Il y a des idiots prisonniers comme Paul Eric King qui racontent. Il faut que j'appelle ce monsieur. J'ai envie de savoir. Quel est le schéma? Quel est le schéma que vous proposez pour résoudre définitivement le premier schéma? Je continue à dire que le premier schéma, c'est de parler avec les gens, avec les vrais acteurs. Parce que quand on vous parle de 330 personnes qui ont été libérées, vous n'êtes même pas déjà sûr que ce sont vraiment. Vous savez, dans l'affaire Boko Haram, excusez-moi. Est-ce que vous savez que beaucoup parmi ces gars sont de petits garçons qu'on a pris soit parce qu'ils ont refusé d'aller acheter la bière aux gendarmes et on les a mis là le machin pour dire qu'ils sont Boko Haram? Les 330 là, c'est ce genre de personnes. Discutez avec Ayoub Tabe. Et discuter de quoi? De lorsqu'on les sujets non, être discutés. Non, peu importe. C'est lorsque vous serez en face que vous allez dire, Monsieur le Président, je suis votre fils, voici notre problème. Il est prêt, Ayoub Tabe, à le faire? Écoutez, confiez-moi cette médiation. Moi, je fais venir Monsieur Ayoub Tabe sur la table et son équipe. Vous voulez, je vais partout, je les amène. Alors, vous savez en savoir des choses, hein. Vous savez en savoir. Vous savez en savoir des choses, Paul Eric. Pardon. Je dis que vous. J'ai eu le privilège de partager 9 mois avec eux. Et qu'est-ce que vous? Non, je dis, j'ai pas besoin de le dévoiler ici. J'ai dit, moi, j'ai eu le privilège. Ces garçons sont merveilleux. Ce sont des garçons merveilleux. Alors, maintenant, c'est des gens terribles. Paul Eric King, on est suivis. On cesse de les peindre comme des démons. Paul Eric King, des démons. Paul Eric King, on les a suivis. Déclaré durant les audiences concernant leur affaire au tribunal militaire, qui ne sont plus camerounais,
qu'ils appellent exclusivement à la sécession, là où le gouvernement du président de la République est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a est indécis et complètement refusé. Les Molenjo Litumbe, au sud là, ont appelé à la sécession. Que faut-il, ça fait des années. Pas ça, c'est le problème. Que faut-il, à la sécession. Que faut-il leur proposer pour qu'ils restent au centre du cadre? Vous ne pouvez pas proposer des choses. Vous, vous êtes au palais. Les frères entrent sur vous, vous entrez dans les avions, d'autres sont dans, en prison. Vous allez leur proposer quoi? Sortez-les ou donnez-moi le mandat, je vais discuter avec eux. Au terme du grand dialogue national, il y a eu cette proposition d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le cadre de la décentralisation, une réponse aux préoccupations soulevées à la fois par le fédéraliste, le velléité sécessionniste et ceux qui sont favorables à l'État unitaire décentralisé. Que pensez-vous d'une telle proposition? Je voudrais vous dire, vous savez que je suis un ancien maire. La décentralisation telle qu'elle est conçue là ne vaut rien. C'est un maire qui vous parle, un maire intellectuel. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Parce que dans un processus de décentralisation, l'administration ne peut pas continuer à tenir les bourses comme ça se passe. Dans un processus de décentralisation, les recettes d'une commune viennent de la commune et de des dotations. Mais sauf qu'ici, nous avons des pesanteurs qui sont suffisamment lourds. Des pesanteurs tels les préfets, tels les gouverneurs, aucun maire à l'heure où je vous parle n'est libre. On continue à valider les budgets des maires et le préfet avec des... Il me semble que vous avez entendu, moi j'étais encore en prison, un préfet ici intimait l'ordre à Lenguem à Lapa. Je crois qu'il avait même rendu idiot. Permettez-moi le terme. Je vous en prie, quand pas de gros mots et pas de jure aux personnalités de la République. Non, 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 je dis, je suis une personnalité de la République. Oui, mais vous ne devez pas... Non, je ne suis pas en train d'insulter de gros mots à l'endroit de cette personne-là. Je suis une personnalité de la République et ça, même le chef de l'État ne peut pas l'enlever. Je suis induit, je veux dire que je suis imbibé d'une légitimité. Je dis que quand le préfet ridiculise un maire, vous croyez qu'on est encore dans la décentralisation? L'autorité administrative peut estimer non. que les résolutions de l'autorité du conseil municipal ne sont pas non. dans le sens de l'intérêt général. Non, je vais vous dire quelque chose. Les rapports entre un maire et le préfet ne sont pas des rapports de hiérarchie. C'est des rapports de tutelle. Et entre la tutelle et la hiérarchie, la différence est que dans la hiérarchie, il y a un supérieur et un inférieur. Dans la tutelle, c'est des rapports de contrôle des actes que le maire pose. Maintenant, le maire peut poser un acte qui ne plaît pas au préfet et le préfet rejette l'acte. Mais le maire aussi peut estimer que le préfet a mal apprécié et il fait le recours chez le juge administratif. Voilà les rapports entre le maire et le préfet. Mais dans la réalité, mais je dis que dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, le préfet gère pratiquement le budget du maire. Mais le gouvernement a fait un bilan de la décentralisation. Je n'ai pas qu'il y a eu des ressources qui ont été transférées, des compétences, et que ce sont les maires qui n'ont pas la capacité à pouvoir gérer ces fonds. Je voudrais déjà vous dire que c'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? C'est faux pour la simple raison que l'État du Cameroun, à l'heure où nous parlons, n'a pas encore atteint 2,5% de dotation dans les communes. Pour que le changement commence dans ce pays, il faut que l'État du Cameroun dise au Malawi, on est à 38% de transfert de moyens. En Côte d'Ivoire, on est à 17% de transfert de moyens. En Afrique du Sud, on est à 80% de transfert de moyens. Au Cameroun, on est à 0,02% de transfert de moyens. Comment vous évaluez? Vous croyez que le Cameroun peut écouter dans les budgets combien la décentralisation? On est à peu près à 12 ou 14 ou 11 et 12 milliards qu'on remet. Je parle bien de 12 milliards sur 4 800 milliards de l'État du Cameroun. Dans ces conditions, la décentralisation ne peut pas tenir. Maintenant, ajoutez à ceci une autre grosse bêtise qu'ils ont créée, l'unicité de caisse. Ils créent l'unicité de caisse. Chaque fois qu'ils ont des problèmes de salaire, ils partent puiser dans l'argent des communes.
Conclusion, ça essouffle les maires. Allez dans plusieurs communes, vous allez trouver que c'est des aérés de salaire. Pourquoi les maires ne développent pas des stratégies pour mobiliser les ressources les dans leur territoire? Qu'est-ce qu'un maire peut faire? Je vais vous dire. J'avais décidé, quand moi je suis devenu maire, j'ai fait venir des gros hommes d'affaires de Corée du Sud. Le président de la chambre du commerce de Corée du Sud. Il est propriétaire à lui seul de 12 industries en Corée du Sud. Je l'ai fait venir à Pénja. Je parle là maintenant sous le contrôle de mes conseillers municipaux qui sont en train de m'écouter à l'heure où je parle. Nous avons siégé. Je demandais qu'il me construise 54 000 maisons en Djomé-Pénja. Contre une certaine facture qui devait être payée sur 30 ans. J'ai signé cet accord. Parce que j'entendais donner à chaque maman et à chaque papa une maison en dur, bien faite, avec l'eau qui coule sur sa tête. Pour que les mamans, là, pour une fois, se lavent aussi à l'eau qui sort du mur. Vous savez ce qui s'est passé? On m'a très vite arrêté. Vous croyez qu'on est dans un pays où on veut le développement? On n'est pas dans un pays où on veut le développement. Si M. Biya est sincère, avec sa fameuse décentralisation, alors il dit au maire, il dit au préfet, vous levez la main, votre maire est trop forte sur la tutelle, laissez les maires travailler. Maintenant, il fait une dotation minimale au départ d'au moins 15% du budget national. C'est-à-dire que dans les 4 800 milliards, il transfère aux communes 15%. Mais c'est ce qui est prévu dans les recommandations qui ont été... S'il vous plaît, ce n'est que des recommandations. Vous ne savez pas ce qui va en sortir. Vous savez que dans notre pays, il y a eu des recommandations en 96 qui ne sont sorties qu'en 2018. D'autres même sont encore couchées. Elles ne sont même pas encore, elles n'ont même pas encore été pensées. Are you seeing that the special state is for the northwest and the southwest regions of the country? Il faut le fédéralisme. Will not be possible for the people because of the. We need in southwest, in northwest, in the whole Cameroon, we need federalism. Dans ce pays, il faut qu'on débouche au fédéralisme. Le fédéralisme a l'avantage que les gens sont libérés dans la tête et ils sentent que ils savent désormais que leur développement dépend d'eux-mêmes. Quelle est cette histoire où vous payez votre personnel, vous attendez l'argent du FEICOM? Vous savez que dans ce pays-ci, tout est tellement centralisé. Il y a même une drôle d'histoire dans ce pays. Une société qu'on appelle MIRAP. MIRAP, là. Une société d'État. Où on paye un DG à des millions, un PCA à des millions pour vendre les plantains et les macabos. Vous savez que la MIRAP ne vend que les macabos et les plantains. Est-ce qu'on a besoin de donner des 5 millions ou 4 millions ou 3 millions à un directeur général pour vendre les macabos? Quel est ce pays même? Qui nous dirige même là? Les gens qui nous dirigent, j'ai l'impression que c'est des gens qui sortent du cimetière. So which federalism are you talking about? 10 states, 4 states, 2 states? It can be 10 states. It depends. It depends of the different negotiations. If you discuss with somebody, he said he need 2, you can tell him, no, I need 4. By the end, you will try to see exactly what must be done for the country. I want you to come back exactly on the issue of discussion, notably discussion between those who are putting on the table the problem of secession. I'm talking about Sisiku Ayuk Tabe and the 9 Anglophone leaders and others, and of course the government of Cameroon. You indicated earlier that there should be a discussion between Sisiku and his team and the government of Cameroon, and you want to be the mediator. But the question here is, what exactly should be done? Just discussion or negotiation that is going to give birth to concessions? Because something that only negotiations can produce the expected results. We need, before everything, they need to meet each other, okay? That means if you refuse to meet someone, how can you discuss? Something that only negotiations can. No, the first step is to release those people. To discuss with someone, you cannot discuss with someone if he's in the prison. You must release these people. They must be released. Releasing them. Because those people are not dangerous.
Mais en dehors de they are not dangerous. You must discuss with those people. Et même s'il y avait des preuves contre ces gens, je vous ai dit ici que la paix n'a pas de prix. C'est notre pays. Qu'est-ce que ça coûte, mon Dieu? Est-ce que ça nous plaît de voir les têtes des gens coupées comme ça? Qu'est-ce que ça apporte au Cameroun? Voilà une jeune gardienne de prison, la pauvre. C'est ce type de spectacle qu'on veut qu'on continue à servir aux Camerounais. Les anglophones se sont sentis frustrés. Et je le dis, vous savez que les étapes, les niveaux de pouvoir au Cameroun, il y en a 5. Le pouvoir exécutif, c'est un francophone qui le tient. Le pouvoir législatif, c'est un francophone qui le tient. Le pouvoir judiciaire, c'est un francophone qui le tient. Mais le pouvoir exécutif est bicéphale. Il n'est pas bicéphale. Il y a un premier ministre. Le premier ministre applique la politique définie par le président de la République. Ça veut dire que lui, le premier ministre, ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il ne peut pas prendre l'initiative. Ok? Vous avez donc la Cour constitutionnelle, c'est un francophone. Comment vous appelez ce machin-là? Il y a une histoire où on donne de l'argent depuis 40 ans. Il n'y a pas de livre. Quelqu'un est président là-bas ou je ne sais pas quoi. Le Conseil économique et social, c'est un francophone. Quand on vit ainsi dans une république, je vous ai parlé tout à l'heure des frustrations. Est-ce que vous trouvez normal qu'un État composé de 20% d'anglophones doit fonctionner comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas que ces gars-là soient frustrés? Au-delà de ça, au début, leur problème portait sur le fait qu'on les jugeait en français, dans leur zone. Moi, je suis passé pour être l'un des prisonniers les plus réguliers devant les tribunaux. Vous savez ce qu'on veut dire? Juger quelqu'un quand il n'entend même pas une langue, il ne comprend pas une langue. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des frustrations? Quel est même ce pays? Mais le gouvernement estime qu'il a répondu à ses préoccupations. La création des sections common law dans les universités, à la Cour suprême, à l'ENAM, il y a eu des nominations de personnalités venant de ces régions dans des postes de souveraineté. Ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'enseignement secondaire, ministre de la santé, premier ministre, le chef de l'État a rappelé. Je vous pose une question. Est-ce qu'un ministre de l'enseignement secondaire, c'est la souveraineté? C'est un. Pourquoi vous ne donnez pas aux enseignements ministériels? Pourquoi vous ne donnez pas aux anglophones les finances? Là-bas, c'est l'argent. Pourquoi vous ne donnez pas aux anglophones la justice? Pourquoi vous ne donnez pas aux anglophones la Cour constitutionnelle? Le chef de l'État. Vous voyez seulement les ministères où les enfants vont faire font pipi dans les écoles et tout ça pour donner ça aux anglophones. Vous croyez que vous leur avez donné quoi? Le président de la République a rappelé que le poste de Premier ministre est confié depuis 92 à un anglophone. Mais je vous ai dit que le Premier ministre est... Lui, c'est une preuve qu'il n'y a pas de marginalisation des anglophones au Cameroun. C'est mon grand frère Zongan qui dit souvent que le premier ministre, c'est celui qu'on a mis là pour qu'il vienne le premier avant les autres. Le premier ministre vaut quoi au Cameroun? Le premier ministre, c'est quoi? Il est le chef du gouvernement. Il est chef du gouvernement. Mais il est là pour appliquer. Et il faut le dire aux Camerounais, parce que votre rôle est aussi un rôle d'éducation des masses. Dites aux gens, dites-leur assez qu'au Cameroun, le premier ministre applique la politique définie par le président de la République. Oui, puisque c'est le président qui est élu. Il est là que pour appliquer. Puisque c'est le président qui est élu. Par contre, le président de l'Assemblée nationale n'est pas là pour appliquer quoi que ce soit. Même s'il le fait mal, comme il le fait. Parce qu'il m'est arrivé souvent d'entendre que Kava Yege Djibril est allé représenter Paul Biya à Cotonou ou à Machin. Kava, un président de l'Assemblée nationale ne doit pas aller représenter Paul Biya. Il est président de l'Assemblée nationale, il n'a pas le droit d'aller représenter Paul Biya. Après, donc, il faut bien que les gens sachent, s'il vous plaît. Permettez aux Camerounais de savoir que le premier ministre n'est pas un pouvoir. La chefferie du gouvernement là
n'est qu'une simple chefferie du gouvernement. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir au Cameroun. Je vais vous dire pourquoi. Quand moi, je suis appelé au Premier ministère pour les problèmes de mon dossier de réparation, vous savez comment ça... J'ai fait 17 réunions là-bas. Monsieur Fouda Séraphin est en train de m'écouter. Yann Philemon m'écoute. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous savez, quand ils finissent de travailler, ils vous disent qu'ils doivent soumettre ça au président de la République. Un premier ministre devrait pouvoir dire, Monsieur Kingé, votre affaire encombre notre table. Réglez ça et foutez la paix avec ça. Mais celui qui a été élu, c'est le président de la République. C'est donc le président de la République. Ça veut dire que vous me rejoignez pour reconnaître que les anglophones sont suffisamment marginalisés. Mais certains parmi eux sont entrés dans le jeu, se sont inscrits comme militants de l'industrie de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ils préfèrent que la guerre se perpétue pour rester au pouvoir, pour être nommé, pour être ceci. Pour aider. Oui. Je vous en prie. Vous avez, lors de votre première sortie, après ces 9 mois passés en prison, vous êtes rendu dans le département du Mungo, votre bastion électoral, annoncé que vous êtes candidat aux élections législatives et municipales qui arrivent. Vous avez surtout précisé qu'il est temps pour nous d'entrer dans les institutions. Que signifient ces propos? Non, ces propos signifient simplement que, vous savez, dans notre pays, en général, quand vous n'êtes pas dans les institutions, on vous prend comme des petits. Mais vraiment, moi, me prendre comme un petit en politique au Cameroun, il faut vraiment que quelqu'un soit malade dans sa tête. Je peux mettre 40 000 personnes en meeting à Douala. Moi, King. Parce qu'il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui croient en moi. Il y a peu de Camerounais capables de mobiliser des gens comme moi dans ce pays. Et vous croyez que... et je pense que il faut se revêtir d'une légitimité et d'une légalité désormais. Peut-être que lorsque nous nous serons revêtis de cette légalité et de cette légitimité, on nous écoutera plus. Alors quand vous parlez de vous, vous parlez de votre parti, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, ou vous parlez du MPCN avec le MRC? Dans ce cas précis. Je parle de nous. Moi, je parle de l'alliance. D'accord. Je parle du groupe. Écoutez. C'est-à-dire que vous continuez à avoir cette alliance-là, même pour les prochaines consultations électorales. Nous avons mission de ne pas décevoir le peuple camerounais. Nous avons mission de ne pas décevoir la diaspora camerounaise. Nous avons mission de ne pas décevoir nos enfants. Vous comprenez? Dans cette alliance se poursuit. L'alliance qui me lie à M. Kamto dit que nous allons à l'élection présidentielle, à l'élection municipale, à l'élection législative. C'est écrit et signé du professeur Kamto. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certains membres du directoire du MRC pour leur dire de faire très attention. Parce qu'il m'a été rapporté qu'ils marchandent des postes dans le Mungo. Dans le cadre de notre alliance, le professeur Maurice Kamto, avec qui j'ai passé 9 mois dans la même chambre, quand on sortait dernièrement, me semblait encore très très équilibré. C'est un homme respectable. Quand on est à ses côtés, on apprend beaucoup. Vraiment, je souhaite que chaque Camerounais vive 5 minutes auprès de ce monsieur pour s'abreuver. Vous comprenez? En quoi consiste le marchandage de poche? Non, s'il vous plaît. Mais certains des membres de son directoire sont déjà en train de proposer des postes en Consamba et tout ça. Or, dans notre convention, ils savent bien que le fief du Mungo est le mien. Le fief, s'il vous plaît, si vous me coupez, vous risquez de ne pas me permettre de vous dire. Le fief du Mungo est mon fief. Cela veut dire, et le Mungo n'a que 13 postes de 13 communes. Ça veut dire que le MRC peut se passer de ces 13 communes parce qu'il y a 366 communes au Cameroun. Ok? Mais il serait inimaginable que je sois en train d'investir des candidats et que je sois en face du MRC alors que je viens d'être directeur de campagne de Maurice Kamto. Okay. Alors que Maurice Kamto a couché sur un papier en noir et blanc que
nous sommes des alliés pour la municipale, les législatives et la présidentielle. Est-ce que dans cette convention, il est prévu que le département du Mungo serait acquis? Non, c'est-à-dire que les conventions... Eric Kingé. Non, les conventions ne se font pas comme ça. Voici comment les conventions se font. Quand vous vous mettez ensemble, vous vous mettez d'abord ensemble parce qu'on connaît les pouvoirs, les forces des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que il faut se lever trop tôt pour me battre dans le milieu. Et quand Maurice Camp vient vers moi, il ne vient pas vers une poule mouillée. Il vient avec quelqu'un qui semble avoir, dont il a appris tout au moins, qu'il est fort dans une zone. Non, regardons cela. Je n'ai pas fini, oui. S'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Oui. Le Mungo, tel que je vous le dis, de Melon à Dibombari, est contrôlé par moi. OK? Imaginez un seul instant que ces gars-là, qui vendent les postes, décide d'être en face de mes candidats. Vous voyez quel spectacle on sera en train de renvoyer au monde entier. Ce fameux un spectacle triste, parce qu'il viendra non seulement prouver que nous ne sommes plus des alliés, parce que forcément on va aller en compétition. Et allant dans une telle compétition, nous faisons le lit du RDPC. Et le RDPC n'attend que ça. Donc, j'ai pas fini. Dans cette alliance... C'est pour vous permettre de développer davantage. Hein. Allez-y. La question que je voulais poser, c'est... Oui. Le MRC vous assure donc le monopole dans le bastion du Mungo, comme vous l'avez dit. Et en retour, vous lui apportez quoi au cours de cette législative-là? Mais quand vous posez cette question, les Camerounais doivent vous demander si vous sortez de la planète Mars. Est-ce que vous savez que j'étais directeur de campagne de M. Maurice Kamto? À la présidentielle. À la présidentielle. Est-ce que vous savez que... Pendant que j'étais directeur de campagne, 5 de mes chiens ont été tués sur 7. Et je suis allé en cabale pendant 30 jours pour Maurice Kamto. Est-ce que vous savez que j'ai mis 9 mois de prison pour Maurice Kamto? Est-ce que vous savez que j'encourais une peine de mort pour Maurice Kamto? Est-ce que vous savez que tous ces sacrifices sont ce que nous, on appelle, nous, les tontinards? Moi, j'ai tontiné pour Maurice Kamto. J'ai tontiné. Dans le cadre de notre alliance, moi j'ai tontiné. Souvenez-vous que trop peu de gens savaient même que j'étais en prison. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on avait dit que notre leader, c'est Maurice Kamto. On ne parlera que de Maurice Kamto. J'ai tué mon nom, j'ai tué le nom de mon parti. Maintenant, vous attendez dans le retour d'ascenseur. C'est là que vous devez poser la question, le retour d'ascenseur. Parce que vous ne devez pas demander j'ai déjà donné, j'ai tontiné. J'ai même risqué la vie, c'est-à-dire la condamnation à mort. Non, looking at the... Et je n'ai pas fini. Et lorsque le professeur Maurice Kamto, la première des exigences pour devenir président de la République, c'est de pouvoir déjà respecter ses engagements, c'est-à-dire ses signatures. Parce que si tu ne respectes pas ta signature, tu vas passer aux yeux du monde comme un roublard, comme un boulanger. Nous sommes en train de combattre M. Paul Biya parce que tout le monde dit que c'est un boulanger. J'ai peur que les camarades du professeur Maurice Kamto, en tout cas ses amis de, comment vous appelez, du directoire de son parti, l'embourbent dans une histoire qui va être assez compliquée. Pourquoi? Parce que moi, je n'accepterai jamais avoir mis 9 mois de prison. Avoir encouru la peine de mort pour que finalement ce ne soit que ça. Parce que je pourrais dire, mes militants pourraient me demander, président, tout ça pour ça. Pour aller qui? Premièrement. Deuxièmement, s'il vous plaît, permettez-moi de chuter. Deuxièmement, nous n'avons aucun droit d'envoyer des signes de fissure entre nous. Nous avons commencé une coalition forte. Pour le bien du peuple camerounais, nous devons finir la coalition forte. Alors, en tout cas, pour ce qui me concerne, le MPCN va respecter ses engagements jusqu'au bout. Et le peuple va donc voir qui de Maurice Kamto ou de Paul-Éric Kingé aura trahi cette fameuse coalition qui fait rêver tant le Cameroun. Vous savez que depuis 50 ans,
C'est la première fois qu'on a vu le Cameroun bouger vraiment dans une élection. Au point où on a vu l'ONU, on a vu le Sénat américain. C'est ce monsieur qui annonçait tous les jours. Le Sénat américain a dit ceci. C'est la première fois. Parce que ensemble, nous avons secoué l'édifice. Ensemble, nous devons chasser l'édifice. Si nous refusons de chasser l'édifice, parce que le MRC veut à lui seul engloutir le Cameroun, je veux dire avaler le Cameroun, ce ne sera pas juste. Et personne dans ce pays ne me reprochera à moi, Paul-Éric Kinguin, de faire donc la deuxième résistance. Cette fois-là, ce sera la résistance contre le MRC. Mais je sais que le professeur Maurice Kamto, avec qui j'ai passé 9 mois, me semble... N'en est pas capable. Me semble suffisamment... Sauf qu'il ne dirige pas seul. Non. Ce n'est pas une affaire de direction. Là, quand un président prend un engagement, il engage son parti. Alors, moi, quand j'ai pris mon engagement, j'ai engagé le MPCN. Il est possible que le MPCN me demande au moment venu, monsieur le président, qu'avons-nous gagné dans toute cette histoire pour que nous, on vous perde de vue pendant 9 mois. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des Camerounais qui vous suivent ce soir? Bon, le dernier mot que je voudrais dire est d'abord que il faut que la crise anglophone s'arrête. Je propose au gouvernement de mettre de côté tous les orgueils, vraiment de discuter avec la bande à Ayouk Tabé. S'ils estiment que c'est compliqué, moi j'offre ma médiation, premièrement. Ces gens ne sont pas des démons. C'est des gens qui méritent vraiment de discuter avec le pouvoir en place. Parce que, in fine, ce que nous devons rechercher, c'est la paix dans notre pays. Notre pays nous est suffisamment cher. Il ne faut pas que les gens qui nous gouvernent pensent que nous sommes leurs adversaires. En réalité, ils doivent nous voir comme des forces de proposition. Ils ne doivent pas nous voir comme des gens qui tiennent absolument à mettre le feu au Cameroun. Nous tenons à ce que notre pays redevienne comme avant, qu'il devienne un pays fréquentable. Moi, je tiens vraiment à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre avis doit être pris en compte, nous, de la coalition. Parce qu'en réalité, pour l'instant, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle une opposition choisie. Elle arrange le parti au pouvoir. On les envoie même souvent se balader, marcher un peu, machin. Mais en réalité, c'est nous qui pensons le Cameroun d'une autre façon. Nous sommes donc, en réalité, incontournables pour que ce pays redevienne comme il était avant. Le professeur Maurice Kamto et nous avons beaucoup travaillé pendant 9 mois. Pour donner au pouvoir en place nos différentes propositions de sortie de crise. Vraiment, je voudrais prier les gens qui nous dirigent qu'après avoir mis leur orgueil de côté, qu'ils rentrent dans les propositions que nous avons faites pour qu'ils tirent le meilleur. On ne dit pas de tirer tout ce qu'on a proposé. Je pense par exemple à un code électoral révisé, consensuel, parce que s'il n'y a pas de code électoral consensuel, il y a des risques d'une nouvelle contestation qui va commencer là, bientôt. D'ailleurs, il y a un certain nombre de propositions que nous avons faites, notamment les bulletins de vote, bulletins uniques de vote, un scrutin à 2 tours. On a fait un certain nombre de propositions. Il faut que le pouvoir rentre dans ces propositions. Que le pouvoir cesse de voir Maurice Kamto comme quelqu'un qui veut détruire ce pays. Que le pouvoir cesse de voir Kinguin comme le radical qui veut montrer que non. Que ces gens-là nous regardent comme des Camerounais. Nous avons intérêt à ce que la paix règne dans ce pays. Il faut qu'ils sachent que nous allons œuvrer pour que la paix règne dans ce pays. Vous n'entendrez pas Kinguin appeler à l'insurrection. Je pourrais arriver aux extrêmes seulement un jour si je sens qu'ils ont transformé ma vie en une vie de prison. En ce moment, ils ne discuteront pas seulement avec Ayouk Tabé. J'entrerai aussi dans la brousse et on va discuter et ce sera ça. Ce sera ça. Donc moi je dis, le pays nous appartient. Ce n'est pas, ce pays est un héritage commun. Ce pays n'appartient pas à ces seuls gens. Il faut qu'ils se rappellent à chaque fois que j'ai dit que c'est un film qui est en train de se jouer. Il n'est pas toujours acquis que le film finisse en leur faveur. Je pense qu'il est temps qu'ensemble, nous devons nous asseoir pour discuter. Il faut un nouveau dialogue, mais cette fois-là, un dialogue inclusif
sous la direction des Nations Unies et des autres pays amis. Voilà tout ce que nous demandons. S'il y a donc ce dialogue, alors vous allez voir. Vous allez voir comment ce pays va redevenir fréquentable. Vous allez voir comment tout va reprendre. Vous allez voir. Mais rarement les gens viennent investir ici. Il n'y a plus que les Chinois qui viennent prendre des risques ici. Il n'y a plus que eux qui viennent prendre des risques ici. Un homme d'affaires normal ne peut pas apporter son argent dans un pays où quelqu'un mange des beignets, il va encore le mettre en prison. Aucun homme ne peut le faire. Donc le pouvoir, le président Maurice Kamto a tendu sa main, qu'on saisisse sa main. Lorsqu'on aura saisi sa main, on aura saisi nos mains. Nous allons discuter, c'est notre pays. Nous n'avons rien contre Paul Biya en tant qu'individu. Mais nous voulons simplement que ce qui nous arrive aujourd'hui n'arrive plus à nos enfants. Parce que, et là aussi nous avons dit que nos luttes d'aujourd'hui, nous ne voulons pas les laisser à nos enfants, nous allons les faire. Nos luttes notamment, c'est quoi? C'est que tu peux donc marcher, il suffit de déclarer, comme la loi le dit, il suffit de déclarer ta manifestation. Mais monsieur, à RDC, Fayoulou a marché, je ne sais pas, vous l'appelez Fayoulou, c'est ça? Le Fayoulou. Fayoulou a marché. Pendant qu'il marchait, on lui donnait l'eau glacée. Il a marché, c'est lui-même fatigué. Quand vous arrêtez, quand tout passe, il marche. C'est pourquoi. Qu'est-ce que ça apporte même à ces gens-là? Il donne plutôt à Kamto une épaisseur. Parce que chaque fois, ils doivent le savoir. Chaque fois que vous arrêtez un homme politique, vous l'engraissez. L'arrestation d'un homme politique, c'est des engrais pour lui. Vous avez vu comment j'ai été accueilli à Njombe Pendja. 9 mois de séparation entre mon peuple et moi n'ont pas suffi pour casser l'amour que ce peuple a pour moi. Ça a même doublé. C'est-à-dire, on m'arrête la troisième fois, ça va tripler. Je vous ai parlé d'un jeune de Tchang qui est rentré tout héroïque dans sa ville, alors qu'en réalité, il n'était pas connu dans son coin. Qu'est-ce que ça apporte même à ces gens d'arrêter des citoyens camerounais? Qu'est-ce que ça leur apporte même? Bon, j'ai fini de parler. Peut-être qu'ils vont vouloir m'arrêter ce soir. Et bon, j'informerai simplement le peuple camerounais que je suis en train de repartir en prison. Merci Paul-Éric Kingé. Je rappelle que vous êtes le président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, directeur de campagne présidentielle pour le candidat MRC Maurice Kamto en 2018 et allié du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Relancer ce type d'émission, c'est un jeu que j'aime. J'ai envie de discuter avec le peuple camerounais. Je voudrais que ce peuple soit édifié. Très bien. Je suis à votre disposition, mais je vous remercie surtout pour le travail que vous faites pour ce peuple, parce que j'avoue que vous êtes monté en qualité. Vous êtes monté de manière exceptionnelle en qualité. Merci. Et ça a continué comme ça pour sauver. Merci Paul Rikingé. Merci également à vous, Jonathan Babila, Duval Fangwa, d'avoir participé à cet échange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.